arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Hop, avec le micro allumé, ça le fait mieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, conseil de lecture avec Maximus, on va parler de commentaires de l'actualité surtout. Et on va aussi parler d'un sujet auquel Maximus tient beaucoup. Et un sujet important qui est le sujet de la santé et de la remise en forme, parce qu'on le sait, tout est lié et nous sommes attaqués par ce biais-là. Nous sommes attaqués par le biais de notre santé. Et j'ai envie de dire, aussi quelque part le biais de notre santé mentale. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien évidemment, depuis le dernier direct que j'ai fait sur les ravages du conditionnement, mon dernier journal où, vous doutez bien que je suis bombardé de messages de gens qui me disent « Mais non, mais Lou, mais t'as rien compris, écoute cette vidéo, tout y est, tu vois. » Et puis on m'envoie des vidéos, donc je clique, je fais l'effort de regarder un petit peu, d'en mettre dedans ce qu'il y a quand même, et je reçois des vidéos sur les abductions extraterrestres, des mères qui se sont fait abducter, ça veut dire que elles ont, c'est ce qu'on appelle l'abduction, c'est l'enlèvement extraterrestre. Je vous dis, ce sujet, je l'ai énormément creusé, donc je le connais très bien. Et donc, je vois dedans ces femmes qui témoignent que, elles étaient enceintes après avoir été enlevées par des extraterrestres. Puis ensuite, on leur a enlevé leur enfant hybride extraterrestre et on leur dit qu'elles vont pouvoir revoir leur enfant dans un vaisseau spatial. Et on m'envoie ces vidéos-là, des vidéos de reptiliens, mais des trucs, mais lamentables. En fait, on voit des montages minables avec un mec qui cligne de l'œil, et puis c'est, je veux dire, ça se voit que c'est un montage, la vidéo est en pause, et puis t'as l'œil qui cligne. Je veux dire, vraiment des trucs, mais je suis navré de la naïveté des gens, et en plus, on m'envoie des messages pour me dire, mais Lou, ton projet Bluebeam, c'est complètement débile, et les reptiliens sont là, et à un moment, ils vont arriver, et le seul moyen de les combattre, le seul moyen de lutter contre ça, en fait, c'est que toute l'humanité s'unisse dans une seule et même énergie, une seule et même religion. Ok, si là on n'est pas dans le mondialisme, moi je veux bien. Après, j'ai pas envie, comment dire, je suis pas un mec méchant. J'aime pas froisser les gens. Mais là, dans ce genre de croyances, de trucs, de, je veux dire, c'est sérieux, il y en a qui en sont là. Les reptiliens, c'est les reptiliens qui gouvernent le monde, et puis les extraterrestres en fait sont là depuis toujours, et puis ils font des expériences sur nous. Par rapport à ça, par rapport aux enfants hybrides, c'est Alexandre Le Breton qui en parlait bien dans une de ses émissions. Il y a en effet des enfants qui sont enlevés, il y a en effet des enfants qui servent à des expériences, et parfois même à des expériences chimériques, où on voit qu'on va croiser de l'ADN d'enfants avec des ADN, animaux. Et en effet, il y a bien des trucs comme ça. Mais c'est destiné à quoi tout ça? C'est destiné justement à nous amener à la religion unique, au Bluebeam, le Bluebeam qui instaurera la religion unique. Alors le Bluebeam a énormément évolué depuis, il a même changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle plus le Bluebeam, le programme a un autre nom. Et l'histoire des hologrammes et tout ça, je crois que c'est passé à la trappe. L'objectif dans tout ça réellement, et ça fonctionnera, c'est qu'à un moment, on nous mettra un vaisseau, un disque volant de lumière dans le ciel, et à ce moment-là, tu as la moitié de la population mondiale, une fois que ça a été relayé par BFM TV, CNN, ça y est, le premier contact a enfin lieu, et bien là, on retrouvera la moitié de la population mondiale à genoux, en train de dire, oh mon Dieu, ça y est, ils sont enfin arrivés, nous avions raison, voici la preuve. Mais c'est, je veux dire, sérieux, on en est là sur cette chaîne. Il y a des gens qui écoutent cette chaîne et qui croient réellement qu'il y a des groupes de reptiliens. Et quand on parle de la crédibilité du projet Bluebeam, on dit, Lou, ton projet Bluebeam, c'est de la connerie. Lou, tes histoires d'anges déchus, c'est des histoires pour les enfants. D'accord, les histoires des anciens textes, ce sont les histoires pour les enfants. Mais les extraterrestres et les reptiliens, ça, c'est des histoires pour les adultes. Ok, pas de souci, c'est pas mon projet Bluebeam. C'est Serge Monast qui avait révélé ça. Et Serge Monast, niveau de crédibilité maximum. Parce qu'il avait révélé la pandémie, il avait déjà révélé le fait que nous allions, qu'on allait tous aller vers la surveillance de masse. Tout ce qui est en train de se passer actuellement est en train d'arriver. Et c'est Serge Monast qui a parlé du projet Bluebeam, et Serge Monast était en lien avec justement des hauts mondialistes. Donc, niveau de crédibilité du projet Bluebeam maximum, tout simplement parce que c'est Serge Monast
qui l'a révélé. Et c'est pas mon projet Bluebeam. Et non, c'est pas des trucs pour les enfants. Ce qui est vraiment les croyances pour les enfants, c'est pathétique. Hein. C'est vraiment pathétique. Hein, les trucs qu'on m'envoie, je suis navré. Heureusement, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça sur cette chaîne, mais je suis navré de la naïveté de certains. Il suffit de leur envoyer 2-3 vidéos avec des effets spéciaux mal faits pour que eux, ça devienne des preuves indéniables de la présence extraterrestre sur notre planète. Bref, comme je vous le disais, j'ai pas envie de froisser les gens. Donc, croyez en ce que vous voulez. De mon côté, je crois en ce que je veux. Voilà. Je pense que j'ai assez développé lors du dernier direct pour expliquer que tout ça était de l'ordre du conditionnement et que ce serait quand même un merveilleux hasard que, après des milliers, des milliers, des milliers d'années d'existence, d'un seul coup, ce soit au moment où le mondialisme en a le plus besoin, que ben apparaîtrait quelque chose dans le ciel qui unifierait tout le monde dans une seule et même religion. Bref, je vous dis, je suis navré de voir autant de crédulité. Les gens m'envoient des trucs comme si j'en avais jamais entendu parler. J'ai passé 7 ans dans ce dossier, 7 ans à fouiller sur les abductions, à regarder les différentes formes d'engins qui ont été vus dans le ciel, à écouter les témoignages. On m'envoie les témoignages comme des preuves. Je rappelle qu'il y a eu d'énormes falsifications historiques à travers notre histoire récente, déjà qui ont été basées uniquement sur des témoignages. Donc c'est possible, on peut falsifier l'histoire par des témoignages, il se peut que des multitudes de témoignages témoignent de quelque chose qui est faux, et il y a de la mise en scène autour de tout ça. Si évidemment on a envie d'enlever un enfant à une mère, bah, pour la faire passer pour une cinglée, on va lui faire croire que son enfant a été enlevé par des extraterrestres, et là c'est bon, je veux dire, t'arrives au commissariat, oui bonjour, on m'a enlevé mon enfant, et alors ça s'est passé comment? Bah, j'étais endormi, j'ai vu des personnages avec une grosse tête et tout ça, et puis après mon enfant il était plus là, je veux dire, ça va, sortez un petit peu, je veux dire, retirez un petit peu vos œillères du sujet OVNI et liez-le à tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, bah, il y a évidemment la surveillance de masse, il y a évidemment le conditionnement, il y a évidemment toutes les expériences sur notre psychologie qui ont été faites, il y a évidemment la pandémie qui vient d'arriver, il y a évidemment la manière dont on s'attaque à notre santé. Et aujourd'hui, avec Maximus, on va parler de ça, on va parler de comment s'extirper de cette mauvaise santé, comment faire de la remise en forme, comment se mettre à contrer un des pans du projet mondialiste, par soi-même, une fois encore, par la résilience et par le fait qu'il faut devenir un petit peu autonome en tout aujourd'hui et au niveau de sa santé aussi, il faut devenir autonome. Maximus, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ouais, salut. Bah, écoute, on avance, on essaye de bâtir des projets, de faire des choses aussi de son côté. Et en même temps, moi, le livre que j'avais proposé, tu l'as pas mis, mais c'est un livre qui est pas cher. Qui s'appelle le régime abdo. On va parler bien sûr si, des je abdominaux. Le montrer, il est là, attends. On va en parler, mais vous allez voir que en fait tout ça est assez commun et assez lié. En ce qui concerne les extraterrestres dont tu parlais, il y a une personne qui cite le livre de Laurent Glosi, mais bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant les abductions, c'était des opérations qui étaient organisées par la CIA. Et dont les gens souvent étaient trompés parce que les types qui les interrogeaient d'abord les mettaient sous hypnose. Donc là, on retrouve encore une fois le programme du Mind Control, MK Ultra, et avec des lampes absolument très très fortes dans les yeux, les types arrivaient déguisés en extraterrestres, et ce qui faisait que les gens croyaient réellement à un enlèvement extraterrestre, alors que beaucoup avaient été enlevés par la CIA, tout simplement. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau. Et vous allez voir que, justement, les abdominaux, c'est-à-dire le ventre, hein, c'est quand même un symbole assez fort en médecine chinoise, parce que c'est le lieu de transformation et de métabolisation des aliments. Mais vous allez voir que tout ce qui est centré autour du ventre, ça occupe aussi énormément, comment dire, c'est assez lié au siège des émotions, si tu veux, des émotions, des peurs, et puis c'est surtout des peurs primales, parce qu'on est au niveau des reins, on n'est pas au niveau de la tête. Donc vous allez voir que tout ça est extrêmement lié, et pourquoi il faut aussi faire un certain travail dans ce sens-là, parce que, comme tu dis, on est attaqué par la santé, et jamais on dit aux gens que par exemple les abdominaux sont des muscles centraux, sont des muscles qui permettent d'abord un maintien du corps,
dans son ensemble et qui sert ici à équilibrer en fin de compte. Et puis à partir du moment où on va s'équilibrer au niveau corporel, on va être aussi un peu plus équilibré au niveau de son fonctionnement cérébral. Or, on voit que les gens sont déréglés alimentairement, ils sont déréglés un petit peu corporellement et ils ne savent plus vraiment à quel sein se vouer. D'ailleurs, on parle, il y a des expressions comme par exemple qui montrent bien que le ventre et d'ailleurs les abdominaux sont le siège de certaines douleurs parce que, par exemple, quand les gens, certains vont au travail, ils disent j'y vais, mais j'y vais la boule au ventre. Comme les enfants d'ailleurs, on leur met la boule au ventre lorsqu'ils vont à l'école avec le masque, tu vois. Ou des gens qui disent j'ai des sensations de vomissement, C'est je me sens. le diaphragme, ça, non, justement, qui se contracte et qui vient appuyer sur les abdominaux, non? Ah, mais oui, mais on est dans une démarche très émotionnelle, très émotive. Donc, il ne faut pas se tromper, effectivement, avec toutes ces histoires d'extraterrestres. Justement, ils nous attaquent pratiquement toujours, c'est toujours au niveau du bas des reins, au niveau de ce centre énergétique qu'est notre corps. Et c'est pour ça qu'il faut aussi reprendre le contrôle, pas que de la tête. S'informer, c'est une super bonne chose. Et j'avais envie un petit peu de changer de thématique, parce que les nouvelles anxiogènes, on en a beaucoup et on en aura encore. Il y en a, c'est pas ce qui manque. Donc je voulais un petit peu trancher, puis donner aussi des clés déjà pour inciter les gens déjà à sortir de chez eux, et puis aller faire des promenades, à travailler un petit peu justement cette espèce de centre d'énergie que sont notre base abdominale. Donc sortez dehors, allez travailler vos abdominaux, vous allez voir, tout va. D'ailleurs, vous allez mieux digérer, vous aurez une meilleure posture et vous allez mieux fonctionner sur le plan cérébral. C'est vachement important. Et en plus de ça, vous aurez envie de mieux vous alimenter. Donc vous serez moins pollué, parce que c'est une pollution hein, au niveau télévisuel, alimentaire. Et j'en passe, il y en a des maximes, comment dire, des motifs de pollution. Ouais, En Mexique. pardon, c'est un truc que j'ai déjà pu constater et expérimenter. C'est réellement, ben, par exemple, quand j'arrête de faire du sport pendant une longue période, eh bien, le fait que mon corps ne soit plus bien, eh bien, à l'intérieur de ma tête, ça va plus très bien. On peut comparer ça aussi avec l'intérieur de chez soi. Quelqu'un, quand on rentre chez quelqu'un et que c'est le bordel absolu, ben, en général, c'est souvent le bordel dans sa tête aussi. Et quand on veut ranger dans sa tête, eh bien, on range chez soi. On range tout bien chez soi. Et puis là, une fois que tout est bien organisé, on peut se mettre déjà à mieux penser. Eh bien, le corps, c'est notre chez nous. C'est aussi notre chez nous. Et si on ne prend pas soin de notre corps, eh bien, ça ne peut pas fonctionner vraiment très bien dans la tête. Et je te dis ça, je l'ai vraiment expérimenté. Des fois où j'abandonne un petit peu le sport pendant trop longtemps, au bout d'un moment, ben, cette fatigue physique, cette pression physique finit par comment dire, influer sur le mental et je ne me sens pas bien dans ma tête non plus, quoi. Et dès que je me mets à refaire du sport, mais vraiment ne serait-ce qu'un petit peu, hein, 2, 3 jours, ben, au bout de 2, 3 jours, ça va déjà beaucoup mieux. Oui, puis ce qui est important, en fait, c'est que nos abdominaux, en fait, sont composés de muscles centraux qui servent de stabilisateurs. Donc, à partir du moment où vous vous mettez à retravailler tout ça, vous allez travailler votre base de stabilisation. Et vous allez déjà mieux respirer parce que vous allez avoir une meilleure respiration. Donc, ça sera mieux. Donc, ça permettra aussi des échanges gazeux plus efficaces pour vous-même et votre bien-être. Et qu'à partir du moment où vous serez dans une meilleure posture, vous serez un peu gainé, vous aurez du charisme, etc. Et vous serez moins sujet aux peurs. Alors, il y a une personne qui me disait d'ailleurs dans le chat que, en fait, si c'est PJM qui dit que si on m'écoute, ceux qui croient aux extraterrestres seraient des débiles mentaux. Ben, je pense que ce sont des gens qui sont surtout sous-informés, en fait, et qui ne mesurent pas à quel point les mondialistes sont pervers et derrière leur perversion, ils sont capables d'élaborer des projets extrêmement crédibles, entre guillemets, pour les gens qui ont baigné dans toute la culture hollywoodienne, le cinéma. Hein? Il ne faut pas oublier que Hollywood nous a habitués à des scénarios où les héros
Les personnages des films, des séries et de dessins animés fréquentaient et côtoyaient les extraterrestres. Donc c'est une programmation mentale. Et moi je le dis, comme je le pense. Après on n'est pas obligé de me croire ou Non, on mais n'est je... pas obligé de se rallier à mon point de vue. Mais selon moi, les extraterrestres, ça n'existe pas. Voilà, Moi, c'est je pense qu'ils existent. Comme je l'ai dit la dernière fois, ma position est complexe là-dessus parce que je pense qu'il peut y avoir de la vie sur d'autres planètes et que depuis qu'on a admis ça d'un point de vue scientifique, ce qui peut être tout à fait valable, eh bien, à ce moment-là, ben, ce programme a petit à petit s'est déroulé, s'est mis en place par le conditionnement, par justement ben, le cinéma hollywoodien, par aussi des publications scientifiques, puis petit à petit par ce qu'on appelle ce projet de la divulgation où les gouvernements, donc l'histoire c'est celle-ci, hein, c'est les gouvernements en fait seraient déjà en contact avec des populations extraterrestres, mais bah, qui seraient des populations extraterrestres mauvaises, puisque évidemment bah, ils travaillent avec nos gouvernements, ils travaillent avec les mondialistes, et on sait à quel point ce sont des ordures. Donc des êtres venus d'une autre planète supérieure auraient choisi sur notre planète à nous de venir rentrer en contact avec les pires ordures du monde et de nous le caché pendant des décennies et des décennies. Et la suite de cette histoire, c'est qu'il y aurait de gentils extraterrestres. Donc il n'y a rien à faire. Hein. Une fois encore, ça pousse à, comment dire, ça pousse à l'inertie. C'est en gros, ne faites rien. Les méchants extraterrestres sont là, ils travaillent avec notre gouvernement. Mais les gentils extraterrestres vont bientôt débarquer pour tuer les reptiliens et mettre à bas notre gouvernement. Et ils vont tous nous unifier sous une seule et même religion mondiale. Et là, nous serons tous heureux sur Terre et on vivra tout nu en courant dans les bois et en mangeant des fruits dans les arbres. C'est exactement ce qu'on nous raconte à travers ces histoires d'êtres venus des Pléiades. Qui voilà et comment dire, je dis pas que les gens qui croient en ça sont débiles, je dis simplement qu'ils se rendent pas compte que c'est sous l'effet d'un conditionnement qui est, bah, qui est en place depuis notre enfance, qu'ils se sont mis à avoir des certitudes qui n'en sont pas. C'est des certitudes, je veux dire, comme par hasard, c'est les gouvernements qui nous révéleraient cette présence extraterrestre, comme par hasard, c'est les médias qui petit à petit, goutte par goutte, distilleraient ça, et pour une fois, une seule, ils nous diraient la vérité. Alors qu'ils nous mentent en permanence sur tout, mais là, sur le sujet extraterrestre, ils nous diraient la vérité en dévoilant le truc petit à petit. Moi, je veux dire, c'est simplement le bon sens qui amène à ça. Et tous les trucs qu'on va pouvoir m'envoyer, je les ai déjà vus. Tous ces machins-là, je les ai déjà vus. Arrêtez de m'envoyer des trucs comme si vous alliez me faire découvrir des choses dans ce sujet. Moi, je suis un peu autiste, hein. Quand je suis enfermé dans un sujet, je vous dis, je suis resté enfermé dans ce sujet pendant 7 ans. Et quand je suis enfermé dans un sujet, je suis à fond dedans. Je vais tout creuser, je vais tout lire, je vais aller écouter tous les témoignages. Et je l'ai fait et je me suis rendu compte un petit peu justement ben, en allant chercher dans les autres pans du mondialisme que ben, ça, cette histoire de divulgation, cette histoire de projet extraterrestre, cette histoire de présence extraterrestre, je me suis rendu compte que ben, ça fait partie d'une énorme machination qui est montée, destinée à nous faire croire ça pour nous amener à un point d'orgue, un objectif ultime, c'est de nous unifier tous sous une seule et même religion. Et comme par hasard, boum, ça, on le retrouve où? On le retrouve sur les pierres guides de Georgie, on le retrouve dans le discours mondialiste, un gouvernement mondial, une seule et même religion, la population maintenue à 500 millions, à 500 millions d'habitants. Je veux dire, tout est dedans, quoi. Tout est dedans, mais voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas. Et bon, je dis pas que vous êtes débiles, je dis simplement que, y a un conditionnement qui a été fait et que, il ne tient qu'à vous un petit peu d'essayer de sortir de ces certitudes pour aller regarder autour et vous rendre compte que ben, c'est pas tellement des certitudes en fait, c'est surtout de la construction, c'est Bah, surtout du dites-vous conditionnement. surtout qu'avec les lois de bioéthique qui maintenant permettent la combinaison de l'ADN humain et de l'ADN animal, ils créent des abominations qui peut-être demain seront tout à fait crédibles dans le rôle de possible dépouille d'un extraterrestre. Donc ne tombez pas dans le piège et je vais vous dire, enfin selon moi, après c'est... Vous en faites ce que vous voulez, hein. Moi je ne veux pas froisser les gens, s'il y a des gens qui ont envie de croire aux extraterrestres, libre à eux de le faire. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi je ne crois pas aux extraterrestres. Après, c'est une histoire de raisonnement en fait. Vous savez que la vie c'est comment dire, c'est un concentré chimique très élaboré, très complexe. Donc il faut du gaz, il faut du CO2, il faut de l'eau, il faut un climat, enfin il faut tout un tas de paramètres pour créer la vie.
Or, si il y avait d'autres formes de vie, comme certains le prétendent, pour ma part, il faudrait qu'il y ait des paramètres à peu près similaires, en tout cas très ressemblants à ceux de la planète Terre, avec un climat, avec des formes de vie évoluées, avec de l'oxygène, hein, c'est 21% d'azote dans l'oxygène, pour permettre effectivement le processus de l'échange gazeux possible entre, en ce qui concerne déjà les mammifères. Ensuite, les poissons, c'est autre chose, évidemment, tout ce qui est marin fonctionne de manière autre sur le plan de la synthétisation de l'oxygène, puisqu'il y a aussi de l'oxygène dans l'eau. Et ce qui voudrait dire que s'il y avait des, entre guillemets, des extraterrestres, il faudrait qu'ils traversent l'espace, on va dire, pour arriver jusqu'à notre planète. Et est-ce que ces extraterrestres pourraient, supposons, supporter notre atmosphère? Et puis, si oui, de quoi serait-il composé? De quel type de matière organique serait-il composé? Donc, il y a plein de, comme ça, de questionnements qui montre que effectivement la vie a été possible sur la Terre parce que c'est une planète unique. Et moi, Et je là, doute comme par fort. hasard, pardon, comme par hasard, là, tu le dis, la vie déjà, ne serait-ce que sur notre planète, est tellement diversifiée. C'est vrai, il y a des formes de vie incroyables sur notre planète. Il y a des trucs, il y a des êtres que l'on peut voir, des êtres vivants sur notre planète. On se dit, c'est pas possible, ça vient d'ailleurs. Quand on voit des espèces de taupes avec des tentacules à l'avant de la tronche, quand on voit les créatures marines, eh bien là, comme par hasard, on a des êtres qui viendraient d'ailleurs, qui viendraient d'une autre planète, qui seraient en contact avec nos gouvernements et qui en plus, par chance, boum, ont une forme humanoïde. Et voilà. Et je veux dire, donc, le truc, voilà, c'est pas de froisser les gens dans leurs croyances. Et pour celle qui me disait, oui, Brillante Andrea, qui me dit, oui, ça démontre un manque de recherche. Ces êtres sont sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. J'en ai parlé la dernière fois aussi, hein. Oui, pour moi, il y a des êtres qui sont dans d'autres dimensions, mais ces êtres étaient là avant nous. C'est ce qu'on appelle les anges déchus, c'est ceux qui ont été précipités sur Terre juste après la création pour avoir refusé de s'agenouiller devant la création de Dieu, l'homme. Et il y a ce passage où il dit justement, sais-tu me citer le nom des choses en demandant aux anges, et les anges ne savent pas citer le nom des choses. Et il demande à l'homme, cite le nom des choses, et l'homme cite le nom des choses. Pourquoi? Parce que Dieu lui a enseigné. Je parle là pas que de ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, je parle de la plupart des textes anciens. Dans la plupart des textes anciens, on retrouve ces êtres qui sont là, qui sont parfois incarnés, parfois non incarnés, et qui sont forcément dans d'autres dimensions. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont dans d'autres dimensions, ils viennent d'ailleurs. L'objectif est justement ça, et de pouvoir leur permettre de se réincarner aujourd'hui parmi les humains en nous faisant passer la quenelle de nous dire, ce sont des extraterrestres qui viennent d'ailleurs. Et là, ils seront acceptés par la plupart des gens comme étant des êtres supérieurs parce qu'ils sont venus d'ailleurs jusqu'à nous. Et les trois quarts des gens seront à genoux en se disant, ah, ça y est, ils sont enfin arrivés, les extraterrestres sont là. Non, ils ont toujours été là. Ce n'est pas des extraterrestres, c'est des êtres qui sont là depuis la création dans une autre dimension. Et leur objectif, c'est exactement ça, c'est de nous faire croire qu'ils sont venus d'ailleurs. Et là, comme je vous dis, je ne parle pas que des trois religions abrahamiques. On retrouve ce récit dans des textes très, très anciens qui sont évidemment antérieurs même à la Torah et à toutes les textes des religions abrahamiques. Après, il y a des gens qui disent qu'il y a des milliards de galaxies, etc. Mais ça, on ne peut pas le savoir en réalité. Parce que pour ma part, moi, je remets même en cause le fait que l'homme soit réellement sorti de l'atmosphère terrestre. Donc ça, je doute véritablement, si tu veux, de ce que nous racontent certains concernant, bon, alors qu'il y ait quelques galaxies à droite à gauche, je veux bien, mais après qu'il y en ait des milliards, donc forcément, selon notre logique humaine, ce serait de dire, bah oui, si... s'il y a des milliards de planètes, il y a forcément une qui doit être habitée. Ok, mais supposons que une planète serait habitée, encore faudrait-il que ces habitants de cette autre planète puissent arriver jusqu'à nous. Et ça, c'est là où ça devient improbable. Et puis après, une fois qu'ils arriveraient jusqu'à nous, il faudrait qu'ils supportent énormément de contraintes qui seraient liées, qui seraient d'ordre chimique, bien sûr, parce que notre planète, c'est de la chimie, avec, je parlais du CO2,
évidemment, de l'oxygène, etc., de l'oxygénation, et puis il faudrait traverser la stratosphère, etc., etc. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est très facile de nous mettre des croyances dans la tête, surtout qu'on a été bercé par le cinéma, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut que je le répète à nouveau, alors que si on nous avait montré des films qui auraient eu lieu, bien sûr, peut-être un peu plus à la création, y compris la création des monothéistes, et si on avait fait des films dans ce sens, on aurait nettement moins de mécréants parce que les gens auraient tendance à plus croire en Dieu. Alors donc l'objectif, c'est bien sûr de nous projeter vers une probable évolution qui viendrait justement d'entités extérieures, et c'est là où on parle d'extraterrestres, puisque ce serait la continuité du darwinisme, ce serait une évolution en fait. Puisque le darwinisme a prétendu que finalement l'homme, ce n'est que finalement une sorte d'amibe, d'algue qui aurait évolué et qui, à force d'être sous des contraintes de survie climatique et autres, finalement aurait atteint l'aspect qu'il a aujourd'hui, ce qui est complètement faux et frauduleux, dans le sens où lorsque vous êtes une algue, vous restez une algue, toute votre vie vous serez une algue. Lorsque vous êtes un poisson, vous resterez un poisson. Toute votre vie, vous serez un poisson. Lorsque vous êtes un reptile, vous restez reptile. Toute votre vie, vous serez un reptile, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas, en fait, de chaînon manquant entre toutes ces espèces qui prêtent, toutes ces espèces, parce qu'il faut un chaînon manquant pour pouvoir passer d'une espèce à l'autre, c'est-à-dire pour passer de reptile à mammifère, il faut un chaînon manquant. Or, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Donc, c'est là où il y a tromperie. Et c'est là où, lorsqu'on nous présente des extraterrestres, on nous ferait croire que finalement, ce serait une forme évoluée de l'humanité et ce seraient des gens qui posséderaient des technologies comme les nôtres, mais en plus avancées, qui seraient respectueux de beaucoup plus de choses que nous, etc. Donc, en fait, finalement, il serait l'être humain en mieux, en fait. D'accord? C'est ça l'extraterrestre. Il y a même Hanouna, ils en ont même parlé chez Hanouna il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, des extraterrestres, où il y a une personne qui prétendait que les extraterrestres avaient une meilleure conscience écologique que les êtres humains. Donc vous voyez bien que finalement, on retrouve le phénomène idéologique de nous faire croire que finalement, l'extraterrestre, il a les mêmes aspirations que les mondialistes. Et je trouve ça absolument fabuleux, parce que qu'est-ce que l'extraterrestre en a à foutre de l'écologie, à proprement parler, si réellement il est un extraterrestre? Ça n'a strictement aucun sens. Et on est dans de la désinfo non seulement on est dans l'infantilisation, mais on est aussi dans la désinformation. Parce Alors, que ça, c'est très malhonnête. on va fermer sur ce sujet. Je vais prendre ce qu'a dit Scolastique justement dans le clavardier. Voilà pourquoi tout simplement ne pas laisser le sujet ouvert. On va laisser le sujet ouvert pour ceux qui, pour les convaincus de cela, dont j'ai fait partie hein, vraiment pendant des années. Et chacun, voilà, chacun de faire quelque part ses propres recherches. Alors évidemment, si on fait que des recherches qui vont nous conforter dans notre position, ben on va se conforter dans la position. Mais voilà, je l'ai fouillé, je vous dis, ce sujet en long, en large et en travers. Et si on ne le met pas en lien avec tout ce qui se passe actuellement, justement, ben avec le mondialisme et tout, et puis pour revenir sur ce que disait Maximus, voilà, quand on regarde comment ça se passe sur notre propre planète, on le sait, il y a eu des civilisations précédentes qui ont disparu. Et une civilisation, souvent, ça fait ça, ça fait un pic, ça va vers le haut, des technologies se développent. Puis il y a un effondrement, puis les technologies qui ont été développées à cette époque deviennent un petit peu comme des histoires, des légendes. Puis notre civilisation remonte derrière, redéveloppe des technologies, on redécouvre des choses qui ont été découvertes avant. Et pour que ça arrive, il faudrait qu'il y ait une autre planète. Et il y en a apparemment, il y a des milliards de planètes dans notre univers. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres planètes qui aient donc les mêmes conditions que nous. Il faudrait que la vie apparaisse déjà dessus. Il faudrait qu'il y ait une forme de vie ensuite intelligente, comme celle que l'on nomme l'homme. Une forme de vie capable de modifier son environnement apparaisse. Il faudrait que là, une civilisation monte, une civilisation survive à son effondrement, et puis en plus trouve le moyen de pouvoir traverser les distances extraordinaires qu'il y a à l'intérieur de notre univers pour arriver jusqu'à nous. Il y a des étoiles que l'on voit actuellement dans le ciel qui, en fait, on ne reçoit plus que leur lumière. Elles ont déjà disparu depuis longtemps, mais la lumière va à 298 000 km secondes. Et puis leur lumière nous atteint encore, alors que ces étoiles ne sont déjà plus là, elles ont déjà disparu. Quand on prend conscience de tout ça,
et quand on met tous ces paramètres, je crois que ça s'appelle, non, c'est pas le paradoxe de Fermi, ça c'est un autre nom, voilà, ça commence à être long un petit peu tout ça pour moi, donc le terme ne me revient pas, mais c'est une équation justement où quand on met tous les paramètres dedans, ben on se rend compte que ben, en changeant quelques facteurs de l'équation, que ben c'est proche de zéro en fait, le fait qu'ils puissent venir jusqu'à nous et puis avoir une forme humanoïde, puis avoir être basé sur les mêmes technologies que nous, puis comprendre notre psychologie, puis voilà, ne serait-ce déjà qu'avoir d'avoir une forme qui soit basée sur le même mélange, comme le disait Maximus, le mélange d'oxygène qui y a sur notre planète. Quand on met tous ces paramètres dans la balance, bon, le taux de probabilité tombe à zéro. Mais bon, par le cinéma hollywoodien, par tout ça, par de la littérature, par des témoignages énormément, et je pense par énormément d'ingénierie sociale, eh bien, aujourd'hui, des gens sont des convaincus et ils t'expliquent que eux, ils ont les preuves que tu as tort et que eux, ils ont raison et que si les extraterrestres sont parmi nous et qu'en gros, ben, il y a juste à les prier parce qu'à un moment, ils vont débarquer, ils vont tous nous sauver. Encore une fois, ce programme du sauveur qui intervient. Allez, moi, je clôture là-dessus sur ce sujet et puis on va parler un petit peu remise en forme et puis ben, comment prendre soin de soi et comment se sentir mieux à nouveau ben, à travers ce monde en pleine dégénérescence actuellement, là. Absolument. Et puis d'ailleurs, vous savez, on vous a montré des films comme Total Recall, Robocop, les Avengers, etc. Et à chaque fois, vous avez toujours cette dimension plus ou moins extraterrestre qui est en arrière-plan. Et donc, il y a un moment donné, il faut se recentrer sur ce qui est tout autour de nous, de cette vie. Tout à l'heure, justement, je m'entraînais et j'étais en train de regarder le ciel. Il y avait de vrais nuages pour une fois dans le ciel. J'étais vachement surpris parce que on a tellement l'habitude de voir toutes ces traînées, tous ces épandages à répétition et ces quadrillages où finalement on a un ciel zébré ou on a un ciel qui est laiteux, qui ne ressemble à rien. Et là, pour une fois, il y avait vraiment des vrais nuages. Et j'étais fasciné parce que ça montre bien que finalement, derrière, il y a quand même une volonté de lutter avec ce qu'est la réalité de la vie. Et puisqu'on parle justement de tout ce qui est le siège des émotions, donc on va retourner au niveau du ventre, et effectivement, se remettre en forme est une nécessité, parce que la santé du corps, finalement, elle est aussi liée à la santé de l'esprit. Et derrière, si on en est à essayer de décrocher un petit peu et faire un sujet comme celui que l'on fait aujourd'hui, c'est un petit peu pour décrocher de cette lourdeur de ce qu'il y a dans nos têtes. Et un petit peu de ces systématiquement ces attaques hein, qui sont incessantes, bah, c'est intéressant aussi bah, de reprendre possession de notre propre forme et de savoir comment on peut faire un certain travail pour mieux affronter ce qui arrive hein, finalement, et c'est vrai. Donc moi j'ai choisi de proposer ce livre parce que d'abord c'est un livre de vacances et puis c'est aussi un moyen de s'évader de manière intelligente. C'est un livre dont le titre est absolument sans d'une banalité affligeante. Donc j'ai eu une drôle de surprise parce que je l'ai trouvé dans un supermarché où j'étais en vacances et ce livre-là il traînait au milieu de plusieurs, vous savez, les lots de mots croisés, de choses comme ça, de magazines féminins qui traitent de sujets cuits et recuits. Et j'avais vu ce livre, Le Régime Abdo, et je me suis dit, bon, c'est encore un livre qui nous va nous parler de recettes pour savoir, pour un petit peu améliorer physiquement et esthétiquement ses abdominaux, mais en fin de compte, pas du tout. Pas du tout, j'étais très étonné parce que c'est un livre qui parle du métabolisme alimentaire et c'est un livre aussi qui vous parle de la vraie nécessité de travailler les abdos et pourquoi ils sont centraux, pourquoi ces abdominaux sont extrêmement importants non seulement dans le bien-être, mais dans la prolongation d'une meilleure longévité. Donc j'étais très, 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 très étonné, franchement. Et on apprend que, par exemple, grâce aux abdominaux, lorsque vous faites des abdominaux, eh bien, vous limitez les risques de vous blesser, par exemple, parce que lorsque votre corps est équilibré,
Si vous chutez par terre, vous avez automatiquement une contraction au niveau du ventre qui fait que vous allez mieux vous positionner pour votre chute. Ça va être un réflexe naturel. Alors que si vous avez ce qu'on appelle le complexe métabolique, à savoir du ventre, si vous chutez, en fait, vous êtes dépendant de la pesanteur. Or, là où ce rôle de cette apesanteur va pouvoir avoir le moins de prise possible, c'est sur votre base abdominale. Donc ça, on apprend des choses comme ça dans ce livre, et c'est assez étonnant parce qu'on nous a toujours parlé des abdominaux pour la qualité esthétique. Pour la qualité esthétique, d'aller sur la plage et puis d'être en maillot de bain et puis après de pouvoir frimer, etc., en sortant de l'eau. Mais en réalité, vous apprenez que les abdominaux sont d'abord essentiels pour, pareil, hein, pour le maintien de votre colonne vertébrale, puisque votre colonne vertébrale est composée de 33 vertèbres, je vous le rappelle, et qu'à partir du moment où vous commencez à avoir un affaissement abdominal, le fémur va travailler beaucoup plus. Et les dorsaux d'ailleurs aussi, et ça va commencer à créer des déséquilibres. Et à partir du moment où vous déséquilibrez, où vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez pas bien, vous transmettez, vous donnez une mauvaise information parce que vos organes donnent de l'information à votre cerveau. Et quand votre cerveau se retrouve avec des informations où les organes ne vont pas bien, forcément, vous n'allez pas bien. C'est mathématique. Donc, faire des abdominaux, j'ai envie de dire, c'est vital en fait. C'est carrément notre centre de vie énergétique, et pas que d'ailleurs, parce que notre corps, en fait, c'est quelque chose qui peut être parfaitement rigide, et il faut des zones de souplesse, il faut qu'il y ait des endroits qui soient durs et en même temps souples. Et ce qui est très bien, c'est que les abdominaux vont combiner souplesse et dureté. Donc tous les amortis vont se faire au niveau abdominal. Si vous faites par exemple des burpees, pour les gens qui se pratiquent un petit peu, ben vous voyez bien que ce qui descend le plus bas, c'est votre bassin. Et quand vous avez besoin de remonter, ben vous allez indirectement demander une sollicitation à vos abdominaux. Et même lorsque vous allez bondir, encore une fois, vous retrouvez les muscles abdominaux qui seront encore une fois de la partie pour le travail que vous allez effectuer. Tout ce que vous faites, pratiquement, même la simple marche demande que vous ayez des abdominaux renforcés. C'est très important. D'ailleurs, vous ferez moins travailler les toubibs et vous pourrez, sur le plan alimentaire, vous permettre beaucoup plus de choses. Donc, oui, travaillez les abdos, mais oubliez, je ne vais pas dire oubliez la question esthétique, mais ce n'est pas l'essentiel. Travaillez les abdominaux parce que les abdominaux protègent vos viscères, vos reins, votre cœur, vos poumons. Ça c'est très très important pour le maintien du corps. Donc évidemment ce livre est très bien fait parce que d'abord il y a une espèce de kit de démarrage. D'ailleurs je suis étonné parce qu'on le trouve à des tout petits prix, hein. On le trouve à moins de 4 euros ce livre, et franchement je crois que c'est il n'y a pas besoin forcément acheter des livres chers pour avoir des informations de qualité, et là il se trouve que c'est le cas. Alors vous avez aussi des conseils alimentaires, évidemment, où on va vous conseiller, bien sûr, de consommer, par exemple, des graines de potiron. Vous avez des passages sur les huiles, etc. On vous donne des conseils quand même alimentaires, mais l'idéal, c'est quand même de comprendre, en fait, le pourquoi du comment. Parce que lorsqu'on est dans un club de sport ou de remise en forme, des fois, on vous explique pas le pourquoi du comment et comment ça peut être important, justement, de faire ce travail de renfort. Là, on parle des abdominaux en l'occurrence, mais on pourrait justement avoir la même chose sur les muscles des fesses et les muscles des cuisses aussi, d'ailleurs, parce que c'est un peu lié. Et d'ailleurs, lorsque vous travaillez vos abdominaux, quelque part, vous travaillez les muscles des fesses, des cuisses, et aussi, pour ceux qui font des étirements, la région lombaire. La région lombaire travaille tout le temps. C'est une combinaison lombaire-abdominaux, et quand vous avez un buste qui est mieux maintenu, votre siège des émotions est mieux géré. C'est quelque chose qui est indirect, hein, c'est induit dans votre propre nature, dans votre ADN, dans votre ADN d'être humain qui, justement, à un moment donné, sera confronté à des conditions de survie, parce que vous savez très bien que l'homme en condition de survie ne peut pas être en surpoids. Ne peut pas, c'est pas possible, parce que lorsque vous êtes, si je puis dire, asséché et tonifié au niveau des abdominaux, votre instinct de survie est beaucoup plus fort. Donc, tout ça, en fait,
C'est important de le travailler pour tout ce qui est périphérique. La frime, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est votre bonne santé corporelle, physiologique et mentale. Donc, voilà le pourquoi. J'ai voulu d'ailleurs un petit peu changer de thématique, mais quand même pour vous aider, vous aussi, à vous renforcer, parce que c'est quand même aussi important, je pense, de faire ce travail quand on est dans la situation complexe, terrible, terrifiante dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et vous aurez, quand on peut bouger avec aisance, on se sent nettement moins en danger, moins exposé. Quand on a un meilleur équilibre, on est beaucoup plus confiant si on doit agir avec explosivité. Et c'est là que justement, encore une fois, vont intervenir les muscles abdominaux, parce que lorsque vous allez déclencher, lorsque vous allez exploser, lorsque vous allez monter ce qu'on appelle la VO max, hein, c'est-à-dire le volume d'oxygène maximum, et ben là, encore une fois, sans vous en rendre compte, vos abdominaux vont être sollicités. Non, D'accord? mais Et les abdominaux, c'est aussi le souffle. Je t'écoute. c'est vraiment au centre du corps humain. Je veux dire, c'est situé juste en dessous le diaphragme. Et il y a des exercices de respiration comme ça qui sont très importants aussi qu'on fait avec le diaphragme. D'ailleurs, ce centre énergétique, je crois que les Asiatiques appellent ça le chi. C'est vraiment ce qui est situé au centre du corps et c'est le siège en fait après derrière. Bon, alors là, c'est pareil, je fais ça de tête, mais de la répartition des énergies à travers le corps. Et je t'en ai parlé récemment. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, juste pour confirmer ce que tu es en train de dire, Maximus, c'est que récemment, là, il y a quelques jours, j'ai été soumis à une histoire de voisinage en fait qui a un petit peu dégénéré, et puis c'est parti en bagarre. Et puis moi, je fais tout, hein, je fais toujours tout au maximum. Je suis vraiment de ceux qui vont au maximum essayer d'éviter jusqu'au bout l'affrontement. Mais bon, après, une fois quand l'affrontement démarre et qu'il y a plus le choix, ben il faut savoir bien réagir à ce moment-là. Et bien le fait justement d'avoir comment dire d'avoir pratiqué des arts martiaux pendant un certain temps, d'avoir justement ben on va dire un physique assez léger, assez rapide, et surtout ben ça m'a j'ai senti, ouais, vraiment comme une espèce de sérénité, de calme, alors que la personne en face de moi était en train de se mettre dans tous ses états et à vouloir absolument passer par la violence. Eh bien, il y a eu un truc, c'est que bon, l'adrénaline, souvent c'est bien, ça peut, on va dire, l'adrénaline, ça peut donner plus de force, je pense, moins de réactivité en tout cas, mais ça peut amener à une certaine perte de contrôle de la situation actuelle. Et moi, sur le coup, j'ai réussi ben, à gérer cette adrénaline et puis à gérer cette situation, voilà, le plus pacifiquement possible, même si ça a été assez physique quand même. Et bien derrière, le lendemain, ben j'avais des courbatures aux abdominaux et un peu partout, alors qu'il y avait pas de raison en fait. Ben si, si, il y a des raisons à ça. C'est que ben niveau sport, j'ai un petit peu lâché dernièrement et je me suis un petit peu ramolli. Et là, et bien là, mon corps me l'a fait sentir. Mais je voulais revenir sur ces exercices de respiration. Pour ceux, par exemple, pour qui il est difficile de reprendre directement le sport, comme d'aller courir un peu ou refaire vraiment de l'effort physique, ne serait-ce que travailler sur ça, travailler sur son diaphragme avec des exercices de respiration, donc faire descendre le diaphragme au maximum pour pousser les abdominaux vers le bas et les relâcher au max, et puis ensuite remonter ce diaphragme, gonfler les poumons au maximum, ne serait-ce que de faire des exercices comme ça, déjà rien que ça, ça fait du bien. Rien que ça, derrière, on sent tout de suite un bénéfice à ces exercices de respiration. Absolument. Et je rappelle aussi que d'ailleurs, la respiration, encore une fois, ça vient de l'intérieur, ça vient de la zone abdominale. Mieux vous allez respirer, mieux vous allez évacuer, mieux vous allez améliorer vos échanges gazeux. Donc, automatiquement, pour brûler des graisses, c'est quand même mieux de respirer. Je rappelle quand même que le pourcentage de graisse corporelle, il doit être quand même cohérent par rapport à votre taille. Je dis bien cohérent parce que je vais éviter de parler d'IMC parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord d'ailleurs avec ces histoires d'indices de masse corporelle, parce que qu'est-ce qu'on va inclure dedans? Moi, pour moi, il y a quatre indices manquants. Il y a l'indice de masse squelettique, parce qu'on n'a pas tous la même densité osseuse. Il y a l'indice de masse musculaire. Là aussi, on n'est pas tous égaux. Et je rajouterai l'indice de masse hydrique.
pareil, on ne stocke pas l'eau et on n'évacue pas l'eau de la même manière. Donc, je pense que ce seraient des indices qu'il faudrait prendre en compte pour avoir une approche beaucoup plus en phase avec la réalité de ce qu'on peut rencontrer comme typologie, on va dire, et de physiologie humaine. Parce que vous pouvez faire 1,80 m et 90 kg et être sculpté comme un Golgoth. Ça n'empêche pas, même si vous avez sur ce qu'on appelle le plan de l'IMC, 10 kilos de muscles super, 10 kilos de plus. Si c'est de la masse musculaire, en principe, ça devrait plutôt être harmonieux. Voyez, et ça dépend aussi de votre patrimoine génétique et de votre hérédité. Si vous êtes asiatique, vous savez bien qu'au niveau des indices de masse osseuse, on va dire, vous aurez une densité moins importante que par exemple quelqu'un qui est d'Afrique ou des Antilles. Parce que c'est vrai que les races noires, on va dire, sont beaucoup plus denses au niveau osseux. Voyez? Donc, on peut pas émettre des standards comme ça en disant que finalement, si vous faites 1,70 m, vous devez faire 65 kg. Ça n'a pas de sens. Tout dépend de la manière dont le corps est fait et comment il est formé. Et c'est un peu une dictature parce que d'une certaine manière, dans cette dictature, vous avez l'image des femmes qui a été exploitée, où on nous montrait toujours la femme extrêmement svelte, pas de ventre, etc. Et finalement, c'était une forme de dictature de la beauté. Or, il existe des femmes dont le tour de taille est fin, alors qu'elles possèdent des hanches généreuses et des cuisses en volume. Pareil avec la poitrine. Donc là aussi, le travail, c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que le travail abdominal est intéressant, parce qu'il va permettre justement d'empêcher les graisses les plus toxiques, les plus néfastes, de se loger. Et c'est ça le plus important. Et le plus important, il est là, en fait. C'est-à-dire que si vous augmentez le travail abdominal et que vous pensez en termes de thérapie ou de thérapeutique, bah, vous pensez santé et vous aurez de meilleures satisfactions, d'ailleurs. Que si vous pensez esthétique. Quand on travaille les abdominaux, il faut penser d'abord à sa santé, à son bien-être son équilibre corporel. C'est beaucoup plus intéressant parce que on fera un travail beaucoup plus soutenu et beaucoup plus efficace. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler les abdominaux pour ces raisons-là. Et puis, vous allez, comme dit notre ami Franzi Cosmos, vous allez vous arracher de vos écrans parce que ça vous donnera l'occasion de sortir et puis d'aller dans des endroits où les gens, bah, finalement, se mettent à pratiquer un petit peu les exercices qui vont bien. Et ça vous permettra aussi de vous détacher de ce qui nourrit vos peurs, à savoir les écrans. Justement, les peurs passent par les écrans parce que ça, on ne va pas reparler de ce que vous savez. On va éviter ce sujet-là d'ailleurs. Mais prenez du plaisir à choisir votre nourriture. Évidemment, parce que quand vous composez votre nourriture vous-même, là encore une fois, vous vous faites plaisir et vous faites votre propre maintenance corporelle, et ça vous aidera d'ailleurs, pareil, hein, à gérer ce fameux siège des émotions qu'est le ventre, parce que toutes les peurs primales viennent du ventre. Ça, c'est clair et net. Voilà. Là où je suis d'accord avec toi, Maximus, c'est cette histoire d'indice de masse corporelle, comme s'il y avait un standard comme ça, et puis que ben, on pouvait définir par rapport à ce standard si quelqu'un est en bon poids ou en surpoids. Ça, c'est de la bêtise absolue. Déjà, Maximus le disait, au niveau ossature, nous sommes tous différents, mais il y a aussi les métabolismes qui sont différents. Il y a des formes physiques réellement qui sont différentes. Il y a des gens qui sont très charpentés, des gens qui sont très fins, des gens qui vont être ben, courts, petits en fait, et vachement, vachement large, vachement costaud. Des gens qui vont être grands et costauds, des gens qui vont être grands mais élancés, des petits élancés aussi. On a tellement de physiques différents que ben, établir un standard comme ça, puis il y a les métabolismes. Les métabolismes, il y a des gens qui ont des métabolismes très rapides, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont consommer en général va directement être converti en énergie, et c'est des gens qui vont stocker très peu de graisse. On pourrait dire, ouais, c'est cool d'être comme ça. Moi, je suis comme ça, j'ai un métabolisme ultra rapide et je ne stocke quasiment pas.
pas. Par contre, si demain je viens à manquer de nourriture, ben tout de suite je manque d'énergie, j'ai pas de réserve quoi, j'ai pas de réserve. Tandis qu'il y a des gens qui ont un métabolisme lent, qui vont beaucoup stocker, et si demain ils sont amenés à manquer de nourriture, ben eux vont pouvoir piocher dans leurs réserves progressivement et vont tenir le coup beaucoup mieux que des gens qui ont des métabolismes très rapides. Donc nous sommes pas tous égaux face à ça. L'important, c'est que chacun trouve son propre équilibre là-dedans. Et il y a des gens qui ont besoin de faire beaucoup de sport pour se sentir bien. Il y a des gens, un petit peu de sport, ça leur suffit. Il y a des gens qui ne font pas de sport du tout et qui croient se sentir bien, alors qu'en fait, non, je pense que c'est une erreur. Il faut quand même un minimum d'activité physique pour vraiment se sentir bien. Mais bon, établir des standards comme ça a été fait avec l'indice de masse corporelle, je pense que déjà, voilà, là, on est déjà dans une supercherie et dans une erreur. Alors après, en ce qui concerne les abdominaux, il y a des gens qui n'aiment pas travailler les abdominaux. Donc il existe quand même des appareils d'électrostimulation qui permettent, je vais pas dire d'optimiser, parce que je pense que pour moi, l'électrostimulation peut être intéressante, mais pour moi, il faut quand même faire des vrais exercices à côté. Pourquoi? Parce que c'est pas totalement naturel, si tu veux, de stimuler comme ça de manière électrique les abdominaux. Donc je pense que ça peut avoir un intérêt pour réveiller le muscle, évidemment, pour aider la fibre, si tu veux, à gagner un petit peu en tonicité, voire en explosivité, ça peut être intéressant, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc, tout ce qu'on vous vend là, toutes les ceintures d'électrostimulation, je pense que ça peut avoir un intérêt dans un premier temps, mais jamais oublier que ça peut être aussi utile de combiner les deux finalement. Je vois, je suis pas contre, hein, parce que j'en ai utilisé, je suis pas contre, mais ça, pour moi, ça reste insuffisant parce que les muscles abdominaux, on peut les faire travailler de manière indirecte, hein, en faisant du vélo, vous travaillez vos abdominaux puisque vous faites le mouvement de pédaler, et vous pouvez aussi, lorsque vous faites un peu de course à pied ou même de marche rapide, ça, on néglige d'ailleurs les pouvoirs absolument fantastiques de la marche rapide, la marche en accéléré, qui font énormément travailler de groupes musculaires. Or, votre corps est intelligent, il se peut puiser de la graisse de partout. Vous n'avez pas forcément l'obligation de travailler de manière spécifiquement les abdos pour perdre du gras sur le ventre. Vous pouvez tout à fait faire autre chose vous pouvez faire par exemple du tennis, du volley, aller vous baigner, et ça peut agir aussi sur votre métabolisme. Donc, comment on stimule le métabolisme? Eh ben, on travaille avec des fractions, du fractionné. Le fractionné, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire, je marche, je cours, je marche, je cours. Dès que vous avez des changements de rythme, automatiquement, ça fait du bien à votre organisme. Alors moi, je vois des coachs sportifs qui épuisent un petit peu leurs adhérents, là. Alors, vous avez des nanas qui sont complexées parce qu'elles ont pris un petit peu trop de poids avec les confinements. Alors elles mettent une veste de jogging autour de la taille pour pas qu'on voit trop les formes. Et puis vous avez le coach sportif qui lui fait des séances que moi je considère comme trop violentes d'ailleurs, parce que une personne qui a du poids à perdre, si vous la faites bouger de manière continue, toujours avec des rythmes saccadés comme ça, comme on lève les bras, on saute, on lève les bras, on saute, machin, etc. Vous allez dégoûter les personnes et la personne n'aura pas forcément de résultat. Alors que si vous faites travailler cette personne dans une logique de pause, de rythme et d'explosivité, là vous aurez du résultat, bien sûr, bien entendu. Derrière, il faut aussi faire un petit travail alimentaire. On n'est pas des moines, on se fait plaisir, c'est clair. Mais il faut aussi choisir, même quand c'est un repas gourmand, je dis, il faut choisir de la qualité, il faut que ce soit exceptionnel, et il faut que ça soit, si possible, fait maison. Voilà. Une fois que vous rassemblez tous ces éléments-là, en principe, vous pouvez, je ne vais pas dire manger de tout, parce qu'il y a quand même des choses qui sont, quand même, sur le plan alimentaire, sujettes à caution, quand même, pour le maintien de forme. Mais en tout cas, vous aurez un rapport moins conflictuel avec ces aliments-là, parce que vous allez les côtoyer, vous allez les consommer, mais en réalité, vous allez les gérer beaucoup mieux et vous allez surtout, le plus important, contrôler les quantités, parce que c'est là que ça se passe, hein. Si on prend par exemple les cacahuètes salées ou les chips, on va prendre cela parce que ce sont quand même des aliments
très chargé sur le plan calorique et qui amène pas forcément les meilleurs des nutriments, voire zéro nutriment, eh ben, si vous mangez un paquet de chips complet, faut savoir que derrière, non seulement vous avez pollué votre organisme, mais derrière, vous avez quand même saccagé votre séance que vous avez faite. Donc une poignée de chips, c'est possible, mais on va dire manger le paquet complet, c'est autre chose. Donc c'est surtout la gestion des quantités qui va faire en fait la qualité du travail que vous allez vouloir effectuer sur votre bien-être dans un premier temps, parce que l'objectif c'est ça, hein, c'est un objectif de santé, c'est un objectif de bien-être, c'est pas un objectif d'esthétique, ça on s'en fiche, enfin ceux qui veulent aller jusque-là qu'ils y aillent, mais l'objectif c'est surtout un bon maintien du corps et puis pas de douleur au niveau du bas du dos, des choses comme ça, voyez, parce que quand on a le corps qui est déséquilibré, au bout d'un moment on finit par avoir des sciatiques, des pincements, etc. et puis des souffrances. Et quand le corps vieillit, ben forcément, il se raidit. Et quand il se raidit, il perd son élasticité, il perd sa souplesse. Donc, on est encore plus sujet, évidemment, à vouloir consulter les médecins parce qu'on a mal en bas de la jambe, parce qu'on a mal sur le genou, parce qu'on a mal ici, aux hanches, etc., etc. Et vous vous retrouvez très vite, ben, dans les bras de Big Pharma, ce qu'il convient quand même d'essayer d'éviter. C'est pour ça, d'ailleurs, ben, je vous propose ce livre. Le régime abdo, je pense qu'il vous donnera des clés intéressantes pour comprendre comment fonctionne votre métabolisme et pourquoi il est important de ne pas négliger la base abdominale. La nage aussi. Franchement, la nage, c'est vraiment bah, une activité qui fait fonctionner tout le corps, tous les muscles du corps. Et la nage, je pense, c'est très très bon. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maximus, mais nager, pour moi, ça fait vraiment partie des meilleures activités qui soient, quoi. Oui, parce que c'est une excellente activité physique, parce que d'abord, parce que vous travaillez beaucoup, beaucoup de muscles intérieurs. Bon, là aussi, encore une fois, on retrouve la sollicitation abdominale, mais en plus de ça, il y a un effet de ce qu'on appelle portance. Lorsque vous êtes dans l'eau, en fait, votre poids est divisé, je crois, par deux ou deux et demi, je crois, je sais plus trop. Et donc, automatiquement, là, au niveau de la concentration musculaire, on a un travail qui est beaucoup plus localisé. Et ça, c'est vrai que la natation, c'est quelque chose de vraiment intéressant d'ailleurs pour le renfort. Et c'est vrai que même pour les gens qui ont des problèmes de dos, bah effectivement, la natation va offrir des exercices beaucoup plus adaptés d'ailleurs pour le renfort du dos que des exercices que vous pourriez faire en salle ou en plein air. C'est complètement différent. Donc ça, c'est intéressant. On voit que par exemple sur le plan alimentaire, ben on a évidemment toujours les fruits rouges qui amènent des choses absolument intéressantes sur le plan alimentaire. Vous avez le thé vert aussi qui est excellent. Hein, il y a une étude de l'université de Rutgers qui dit que même que le thé vert agit sur la diminution des cancers et améliore la qualité de la peau. Donc, le thé vert, c'est une excellente source d'antioxydants. Donc, prenez pareil, encore une fois, prenez du thé vert de qualité. J'ai envie de dire tout ce que vous voyez comme marque oligarchique, courante, standardisée, évitez-les parce que très souvent, il n'y a pas énormément de thé vert. Essayez d'acheter du thé vert de très bonne qualité et vous verrez que, d'ailleurs, je crois que c'est un stimulant d'ailleurs aussi pour activer la combustion de certaines graisses. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, évidemment, on retrouve pareil, encore une fois, hein, les céréales complètes sont des éléments d'excellente qualité pour la simple et bonne raison que vous allez arriver à satiété. Encore faut-il trouver du bio de bonne qualité, j'ai envie de dire. Parce que le problème du bio, c'est qu'il en a souvent l'intitulé, mais il n'a de bio que le nom. Hein. On se rappelle de ce conseil de lecture que j'avais fait, Vive la malbouffe, où dedans, on s'apercevait qu'au niveau du bio, il y avait énormément de triches et de supercherie, et que souvent vos aliments qui sont intitulés bio ne le sont pas vraiment, ou alors quand ils sont intitulés bio d'un côté, ils sont frelatés de l'autre. Donc il faut faire très attention, là encore une fois,
Alors, c'est vrai que le volet alimentaire, ben, il est très important, hein. Alors, il faut, alors, au niveau des laitages, vous savez que les laitages sont déconseillés aux mammifères qui ont atteint leur stade de croissance maximum. Ça sert plus à rien de consommer du lait. Le seul qui continue d'en boire, ben, c'est l'homme. Or, le problème du lait, c'est que justement, ben, il congestionne, il ballonne. Il va créer des ballonnements et sur le plan intestinal, il va créer des troubles. Donc, ça va pas vous aider sur le plan abdominal. Donc, vous pouvez consommer des produits transformés à base de lait en petite quantité, mais bien sûr, il faut éviter le lait, bien entendu. Alors, je ne dis pas que le café au lait, moi, je fais pas partie des gens qui vont interdire le café au lait ou le cappuccino, mais sachez que il faut en consommer avec une certaine modération. Quand même, voilà, voilà, et plutôt de manière espacée, c'est toujours mieux. En vérité, on peut sur le plan alimentaire, on peut s'offrir beaucoup beaucoup de choses, on peut se faire plaisir avec pas mal de choses. Le tout, c'est jamais tomber dans l'excès et que ça soit pas l'aliment qui vous gère. Si vous devenez esclave de l'aliment que vous aimez, c'est là où vous vous déréglez. Donc, le tout, c'est quand même d'apporter toujours une certaine diversité alimentaire, c'est toujours mieux, de pas nourrir de frustration. Donc, si vous avez envie de craquer pour le croissant absolument extraordinaire que fait votre boulanger, bien sûr, achetez votre croissant, consommez-le, mais vous ne pourrez pas en manger tous les jours, ça c'est évident. Donc, c'est toujours pareil, tout est possible, mais il faut aussi espacer les petits plaisirs. Il Alors, oui, on faut, peut. pardon, ouais, on peut consommer tout, mais en fait, mais rien avec excès. Dès qu'on va rentrer dans l'excès d'un aliment ou d'un autre, il y aura de toute façon un moment des problèmes. Et puis, comme le disait Maximus, on devient esclave de l'aliment. Il y a aussi des maladies qui émergent chez des gens qui boivent trop d'eau. Il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas assez d'eau, beaucoup de gens vont boire des sodas, des jus de fruits, du café, mais qui vont en fait au final boire très peu d'eau. Et il y a des gens qui boivent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et il y a aussi des maladies qui émergent de la surconsommation d'eau. Donc on peut vraiment consommer de tout, mais ben, il ne faut rien consommer avec excès. Je crois vraiment que c'est la règle au niveau alimentation. Après, on peut manger de tout, oui. Alors évidemment, après, là encore une fois, il y a des gens qui auront besoin de boire 3, voire 3 l'été, hein, 3, voire 4 litres d'eau par jour. Chacun voit en fonction de son métabolisme. Si votre voisin, lui, peut boire 4 litres d'eau et ça va pour lui, très bien. Mais il y a des gens qui ont peut-être besoin de quantités d'eau absolument moins importantes que. Alors on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, etc. Mais tout ça, ce sont des standards. C'est à vous de sentir si vous avez besoin de boire en fonction de votre activité. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est que l'eau, c'est un draineur, hein, c'est quelque chose qui va vous aider à épurer et à éliminer. Donc là encore une fois, pour aider le travail que l'on peut faire avec les abdominaux, l'élimination c'est vachement important. Hein. Donc il faut s'hydrater, c'est sûr, parce que quand on n'est pas assez hydraté, ben, derrière, ben, on n'évacue pas bien les déchets, on va pas à la selle, etc. Donc derrière ça joue. Donc automatiquement il faut s'hydrater en fonction de ses besoins. Et je pense que bon, boire de l'eau pour se faire gonfler le ventre, c'est une imbécilité, bien sûr. Mais par contre, on peut boire des toutes petites quantités d'eau sur des intervalles réguliers ou voire un petit peu irréguliers, c'est pas grave, par petites gorgées, par petites touches, et ça c'est pas mauvais, voyez. Donc on arrive très vite à 1 litre, à 1,5 litre si on boit une gorgée d'eau tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les, je sais pas, bon. Donc on arrive à boire finalement une quantité d'eau tout à fait intéressante pour l'organisme. Mais le tout, c'est de pas faire éclater comment dire, ses organes à s'ingurgiter, à vouloir descendre 1 litre d'eau d'un coup. Ça ne sert strictement à rien parce que vous. C'est comme ça que je bois pendant les randonnées. Moi, de toutes petites gorgées comme ça, à droite à gauche. Et surtout, j'écoute mon corps. Si j'ai pas soif, je ne bois pas. Si j'ai soif, je bois. Et puis ça s'est toujours très bien passé comme ça, quoi. Alors après, il y a aussi quelque chose qui coûte pas cher et c'est absolument magique. Et tout à l'heure, il y a un camarade là qui parlait de thym et de romarin. Absolument, vous pouvez bien sûr consommer du thym et du romarin, on va dire en thé, en tisane. Il n'y a pas de souci, mais il y a un aliment qu'on néglige, mais qui est absolument extraordinaire, c'est le zeste de citron.
Le zeste de citron, c'est absolument fantastique. Vous prenez le citron, vous le râpez, vous le mettez dans de l'eau, vous le mettez dans du thé, dans ce que vous voulez. C'est un aliment absolument extraordinaire qui contient des vertus fantastiques. D'abord, c'est concentré en antioxydants, c'est rempli de vitamines. Il faut savoir que si le citron contient des vitamines, eh ben, tout est concentré dans la peau du citron, dans le zeste de citron. Et en plus, c'est le citron a aussi une réputation de brûleur de graisse, parce qu'il existe des aliments qui aident à la... En fait, ils vont pas vous faire fondre si vous ne foutez rien, mais ce sont des aliments qui vont aider votre métabolisme à décongestionner le surstock que vous possédez. Donc, c'est des aliments sur lesquels on peut se pencher un petit peu plus, comme le ginseng, qui pareil, là, lui aussi, est un stimulant absolument fantastique. Et c'est des aliments qui ne coûtent pas forcément cher, vous voyez. On a parlé du thé vert, on a parlé du citron, et ça, c'est des choses que vous trouvez à des prix tout à fait raisonnables. Donc, et en plus, qui vous redonnent de la santé et qui vont vous aider, évidemment, là encore une fois, parce que, évidemment, faire un travail de, comment dire, sportif sur les abdominaux, c'est une chose, mais avoir derrière aussi le carburant qui va bien pour garder le contrôle sur tout ça, c'est très très bien. Et donner des petites astuces comme ça, eh bien, c'est toujours intéressant. Parfois, on a tendance à jeter la peau du citron. Non, gardez-la, c'est très précieux. Ne la jetez pas, faites-en quelque chose, râpez-le, mettez-le dans la tisane, mettez-le dans. Il y a des recettes aussi, trouvez, mais recyclez les produits parce que les gens, ils ont tendance à acheter du pulco citron, des trucs comme ça, mais franchement, prenez le citron à l'état brut et faites votre jus de citron vous-même et utilisez la peau du citron, c'est beaucoup mieux que d'acheter le concentré de citron en bouteille que vous allez avoir au supermarché. Vous aurez de meilleurs bienfaits parce que votre corps, il est fait pour synthétiser tout ça. Voilà. Donc c'est très intéressant. Il y a une personne, je crois, qui parle de l'ail des ours. Oui, c'est une très bonne chose aussi, l'ail des ours ou des ours. Et il faut pas hésiter à aller. De toute façon, moins vous allez consommer de transformés, plus vous allez prendre du brut, de l'aliment brut, et mieux c'est pour vous. Alors, des fois, c'est pas toujours très bon au niveau du gustatif, du goût, parce que c'est vrai que les aliments bruts, on est un peu habitué à manger du raffiné, donc forcément. Quand plus c'est raffiné, plus on l'apprécie en bouche, mais plus il faut savoir que plus c'est raffiné, plus c'est mauvais. Donc c'est pas bon pour la santé. Et ça aussi, ça compte. Justement, quand on veut se renforcer, quand on veut lutter contre le mondialisme et contre les globalistes, sa santé, il faut la prendre en main et il faut privilégier les petits agriculteurs, les petits marchés, les petits producteurs, parce que eux, ils vont offrir une traçabilité nettement plus transparente. Et puis souvent, le produit sera aussi de bien meilleure qualité que si vous l'achetez dans les grandes surfaces que vous connaissez, les hypermarchés que vous connaissez, où finalement les aliments subissent du transport, de la transformation, du stockage, parfois même c'est dans des endroits réfrigérés, etc. Et là, vous perdez évidemment en nutriments. Parce qu'un aliment, pour qu'il conserve ses nutriments, il faut qu'il soit pas quand même trop transformé. Plus il va être transformé, plus il va perdre ses nutriments. Or, les nutriments, là aussi, on en a besoin pour se renforcer, pour être beaucoup plus lucide, pour être beaucoup plus en phase, beaucoup plus connecté avec la réalité. Alors quand on est connecté avec la réalité, eh bien c'est aussi une manière d'être plus fort. Et quand on est plus fort, eh bien comment dire, les globalistes ont beaucoup moins d'emprise. Le mind control, si vous voulez, fonctionne beaucoup moins bien. Lorsque vous êtes mieux centré, lorsque vous vous sentez en forme, lorsque vous vous sentez quand même en bonne santé. C'est quand même mieux, alors que quand vous êtes fragile, vous êtes en surpoids, vous êtes vieux, vous êtes ceci, vous avez tendance à regarder la télé, là vous sombrez nettement plus dans les peurs. Donc ça aussi, c'est un travail à faire hein, mentalement, hein, parce que c'est tout qui travaille, on dit les abdominaux, mais en fait on te fait travailler la tête aussi, parce que vous vous renforcez même au niveau de vos résolutions, et c'est une très bonne chose. C'est vrai que le goût a vraiment pris le pas, surtout aujourd'hui. Hein, la plupart des gens vont préférer quelque chose qui a un niveau gustatif et très bon. Par contre, à un niveau des nutriments qui peuvent se trouver à l'intérieur, c'est extrêmement pauvre. C'est à un tel point que c'est sur Paris, je crois, et à Londres aussi, il y a deux restaurants qui ont ouvert. Alors, vous le savez, aujourd'hui, par exemple, tous les goûts ont été synthétisés.
Aujourd'hui, il y a des goûts synthétiques, ça existe. Bah, quasiment tous les goûts vraiment ont été synthétisés. D'ailleurs, ils sont utilisés dans les cigarettes électroniques. Dans les cigarettes électroniques, les goûts qu'il y a, si on va fumer une cigarette goût menthe ou goût, je sais, il y a vraiment tout quoi. Tous les fruits rouges, il y a même le goût cassoulet. Eh bien, ce sont ces comment dire, ces goûts synthétiques alimentaires qui sont utilisés dans les cigarettes électroniques. Et je vous disais, il y a deux restaurants qui ont ouvert sur Paris et sur Londres, alors peut-être d'autres plus depuis, c'est en fait où ils essayent de combiner ces deux trucs-là. C'est qu'en gros, dans ces restaurants, on nous sert des salades, c'est une salade, et par-dessus, on va rajouter un spray avec un goût synthétique. Alors, par exemple, si vous voulez manger de la salade, mais avoir l'impression de manger du cassoulet parce que ça a un goût cassoulet, eh ben, il y a le petit spray synthétique avec lequel on va arroser sa salade et on va manger la salade qui a le goût cassoulet ou le goût burger frites, par exemple, ou le goût sauce barbecue. Il y a vraiment tous les goûts. Ils ont synthétisé vraiment tous les goûts. Et aujourd'hui, on a des restaurants comme ça qui ouvrent où les gens se disent, bon, ben, je vais quand même essayer de privilégier de manger quelque chose de nutritivement bon, mais en ajoutant par-dessus le goût que je veux pour pouvoir en même temps avoir le goût. Moi, personnellement, c'est des trucs qui ne m'attirent pas, mais en effet, ça existe aujourd'hui. Il y a des gens qui essayent de combiner les deux. Oui, je suis d'accord avec Manolo Coco qui dit la marche est le meilleur des sports. Et c'est vrai que c'est un sport. Pourquoi c'est un des meilleurs sports? Effectivement, parce que c'est naturel. C'est un mouvement qui nous est parfaitement naturel. Et effectivement, pour les gens qui ont des chiens, c'est vrai que c'est une bonne idée. Quand vous sortez le chien, ben, agrandissez votre balade, etc. Mais il n'y a rien qui vous empêche derrière de faire un peu de gainage, de faire un peu de travail abdominal. Vous savez, vous prenez 5-10 minutes par jour à faire quelques abdos, vous aurez des résultats. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément rébarbatif. Après, on peut trouver d'autres manières, si tu veux, d'améliorer sa forme physique. Après, il y a des gens qui préfèrent être en salle. Il y en a qui aiment ça aussi, la salle, hein. Donc, il faut trouver le truc qui vous va bien, en fait, dans lequel vous vous sentez bien et surtout qui va vous permettre, en fait, de pouvoir durer. Parce que l'objectif, c'est pas de venir en salle 3 mois et puis après, on a pris l'abonnement pour 1 an et puis on n'y va plus. Et ça, c'est des choses qu'on voit. Non, justement, quand on a un chien, et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez votre chien, bah vous devez le sortir même l'hiver, vous devez le sortir même quand il pleut, parce que le chien, il a besoin de faire sa balade. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que derrière, et bah, vous en profitez pour rationaliser la balade. Vous pouvez toujours faire des flexions, des choses comme ça, et c'est assez intéressant, voyez. Donc faut trouver des petites astuces comme ça pour se renforcer, parce que plus vous allez vous renforcer derrière, bah, plus vous sentirez beaucoup moins angoissé. Ça, c'est important aussi. Parce que mine de rien, on est quand même pas mal attaqué, pour revenir un petit peu au sujet qui un peu politique. On est attaqué par quoi? Par les émotions, comme je disais tout à l'heure, mais surtout, on ne nous met jamais au repos. Donc vous allez voir, là on parlait des attaques extraterrestres, mais là maintenant c'est le singe qui nous attaque. Demain, ça va être le léopard. Ça va être probablement le je sais pas moi, le T-Rex aussi, tant qu'on y est. La chauve-souris et le pangolin, juste avant. Franzi, Cosmos, je crois que toi t'es un troll, parce que je n'ai jamais dit que je regardais Hanouna. J'ai simplement dit que, bah, de toutes les façons, oui, Ils on en ont regarde parlé chez Hanouna. Hanouna des Ils en extraterrestres. ont, Pour ceux qui disent oui, mais c'est en même nouveau, temps, les attends, je vais médias lui parlent des répondre. extraterrestres. Je vais quand même lui répondre, parce qu'il faut savoir que même quand on est sur les réseaux, il y a des gens qui mettent des séquences mainstream. Donc forcément, même si on regarde pas la télé, d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui va vous envoyer une séquence. Ça peut être du mainstream, et c'est comme ça que vous tombez sur du Hanouna ou des trucs comme ça. Mais on ne regarde pas Hanouna comme quelqu'un qui est un fan de Hanouna. Nous, on tombe sur une séquence et on regarde Hanouna. C'est comme le mainstream. Moi, je regarde pas le mainstream, mais il n'empêche que, de manière indirecte, quand je suis sur Telegram ou quoi, on m'envoie de l'information, bah forcément, des fois, dans les informations qu'on vous envoie, vous avez un passage d'une minute ou deux du mainstream, bah vous regardez, c'est tout. C'est pour ça qu'on est. Donc les gens disent n'importe quoi, mais ce type doit être un troll, c'est pas possible, parce qu'il est complètement con, en fait. Depuis tout à l'heure, il dit que des trucs complètement cons. Il n'a Souvent, rien à ça faire là, arrive. ce mec. Voilà.
Mais ouais, la cagnie rando, c'est génial. En plus, on partage l'effort ensemble, on partage avec l'animal, on s'arrête pour donner à boire à l'animal. Je sais pas, moi, ça fait vraiment partie des activités que je pratique le plus souvent, la cagnie rando. Et ouais, ça permet de se maintenir en forme sans faire trop d'efforts non plus, hein, parce que c'est beaucoup moins épuisant, par exemple, que d'aller se taper 15 bornes à vélo ou de taper des sprints. Mais ça fait vraiment du bien au corps. En plus, on voit la nature, on voit. On est dans un environnement qui est plutôt apaisant, on fait des pauses et tout. Ouais, moi, là, je suis accro de toute façon à la cagnotte randonnée. Oui, non, mais c'est clair, Manolo Coco, c'est pas de l'endoctrinement, on est d'accord, mais il y a un moment donné, comme on s'informe sur les réseaux, vous savez ce que c'est, les réseaux, vous êtes sur Telegram, vous êtes sur Signal, vous êtes sur WhatsApp, à un moment donné, vous avez un de vos contacts qui va vous envoyer un truc, ça peut être du professeur Perron, ça peut être ce que vous, du Alexandre Orient-Code, mais ça peut être justement une séquence mainstream, justement, où vous avez peut-être Orient-Code dedans ou autre chose. Donc c'est ça qu'il faut dire. Et Mais c'est il n'y a tout. que comme Donc, ça, moi, que je vois. Il n'y a que comme ça que je veux dire, je n'ai pas la télévision. Je suis jamais scotché devant. Je sais même pas à quelle heure c'est, Hanouna, pour vous dire. Donc, je suis jamais scotché à l'heure du début de l'émission devant ma télé pour regarder Hanouna. Mais je vois, pareil, sur les réseaux sociaux, un tas d'extraits qui sont découpés, qui sont piochés. Et puis, bien, ça a souvent à voir, justement, avec l'ingénierie sociale, avec la manière dont on va conditionner les gens à penser d'une certaine façon. D'ailleurs, sur un sujet tellement important que les injections. On est encore sur YouTube, je vais faire gaffe. Où est-ce qu'on a reçu les gens pour parler d'injection? Où est-ce qu'on a reçu le professeur Perron? Où est-ce qu'on a reçu Alexandra Orion-Code? Au lieu de les recevoir dans des émissions scientifiques importantes et crédibles, on les a reçus chez des clowns, histoire de rendre le sujet clownesque et histoire de faire que de ceux qui pourraient avoir de certains doutes sur l'utilité et les véritables raisons de ces injections, tout simplement passent pour des clowns. Voilà, tout ça, c'est de l'ordre de l'ingénierie sociale, hein, faut bien comprendre ça. C'est de la manière dont on va conditionner les gens à réagir à certains sujets. Là où on les reçoit, ça compte aussi. Donc, c'est par rapport à ça, oui, moi aussi, je vois des extraits des émissions d'Hanouna. On en voit tous. C'est à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, on va en voir. Et en effet, oui, c'était un troll, le mec qui dit ouais, Maximus qui regarde Hanouna, perte de crédibilité maximum. Bon, tu vois, toi aussi, tu as perdu ta crédibilité au maximum parce que, au revoir. Shoshana, t'as bougé de la chaîne, quoi. Donc, tiens, d'ailleurs, à partir de maintenant, là, si vous avez Maximus, c'est la santé, la remise en forme. Maximus, il faut savoir qu'il a 56 ans et il est très en forme. Et sincèrement, 56 ans, c'est dans combien de temps pour moi? C'est dans 13 ans. Sincèrement, dans 13 ans, j'aimerais bien être en forme comme Maximus. Donc, c'est un sujet qu'il maîtrise bien. L'alimentation, c'est un sujet qu'il maîtrise aussi très bien. Donc, si vous avez des questions à partir de maintenant pour Maximus par rapport à comment se sentir mieux dans son corps, comment mieux manger, eh bien, allez-y, envoyez vos questions et puis Maximus va tenter d'y répondre pendant cette dernière demi-heure-là. absolument. Mais en même temps, justement, puisque tu me prends sur l'alimentaire, je vais encore casser un autre mythe parce que, encore une fois, et là, on voit le travail de sable du mainstream, c'est qu'on vous a expliqué que trop manger d'œufs, vous savez, les œufs, alors certes, il ne faut pas trop en manger quand même, c'est vrai, mais pas pour les mêmes raisons que le mainstream, c'est qu'on vous disait que ça donnait du cholestérol. Il faut savoir que le cholestérol de l'œuf et le cholestérol que nous fabriquons, n'est pas du tout la même molécule, c'est pas la même chose. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc vous pouvez bien sûr manger des œufs de très très bonne qualité, c'est excellent, bien sûr, mais il faut en manger. Toujours pareil, c'est une histoire de modération. Si vous mangez tous les jours 12 œufs, à un moment donné, votre métabolisme, votre estomac vous dira stop, ça suffit. Donc il faut être toujours dans la mesure. Vas-y, moi j'écoute les questions maintenant, Lou. Vas-y. Les questions sont pas encore arrivées, mais vous mettez la lettre Q devant votre question, vous posez votre question, je la transmettrai à Maximus. Beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que tu as 56 ans. Oui, Maximus a 56 ans. Moi, j'en ai 43 et beaucoup de gens pensaient que tu étais autour de 40-45 ans. Non, Maximus, il a 56 ans et je vous assure, je peux pas dire ça avec certitude, mais je pense en plus avec les connaissances qu'il a en boxe anglaise, même moi avec mes 43 ans, sur un ring face à Maximus en boxe anglaise, je sais
sais pas si je tiendrai, je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. Déjà, niveau cardio, je pense qu'il me met à l'amende, c'est sûr. Donc, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas pratiqué sport pour que mon cardiaque soit vraiment affûté comme le sien. Mais ouais, si dans 13 ans, je me porte comme se porte Maximus aujourd'hui, je serais content. Franchement, je serais content. On voit des gens de 56 ans, des gens qui approchent la soixantaine. C'est physiquement, il n'y a plus rien, quoi. Tu les fais courir 200 mètres, ils sont à quatre pattes en train de cracher leur poumon. Donc c'est vraiment des comment dire, c'est là, là les conseils viennent vraiment de quelqu'un en tout cas qui connaît bien le sujet. Alors question de Wall Street. Alors attends, j'essaie de remonter un petit peu dans les autres questions avant. Donc question mais avec l'âge, après 65 ans, les reins et le reste marchent moins bien, donc toxines et surtout acidiose, comment faire? Après, avec l'âge, en général, après, encore une fois, on n'est pas tous pareils. Vous aurez des gens qui auront les reins fatigués vers 70 ans, peut-être 65 ans, et puis d'autres un peu moins. Mais on ne peut pas forcément lutter contre l'usure du corps, c'est clair. Mais ce qu'il faut éviter, c'est, vous savez, les os. Vous avez des os comme la Volvic est pas mal. Vous avez la Montroucou et puis il y en a une qui est pas mal aussi parce qu'elle n'est pas trop chargée en minéraux. Il y a la Montroucou et la Montcalm. Voilà, la Montcalm, la Montroucou, la Volvic, c'est des eaux qui sont assez équilibrées en termes de minéraux et il faut éviter, enfin, selon moi, les eaux trop chargées en minéraux parce que après derrière, pareil, ça fait travailler un peu plus les reins et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé parce que vous synthétisez pas forcément les minéraux, Après, on les retrouve dans les reins, justement, les minéraux, ça fait des, comment dire, c'est pas toujours bien évacué, donc ça sert à rien de donner du travail aux reins supplémentaires. Donc, il faut boire, mais de manière équilibrée, justement, intelligente. Et pour ce qui est des reins, les ennemis des reins, c'est aussi les boissons alcoolisées, la malbouffe. L'épuisement, ça c'est pareil, c'est les reins. Et puis aussi, au niveau des reins, vous avez aussi, la surstimulation. À partir du moment où vous êtes dans la surstimulation, vous épuisez vos reins, c'est pas bon non plus. Vous voyez à quoi je fais référence, les amis. Les gens qui aiment bien changer de compagne tous les 4 matins, ça aussi, ça épuise les reins, il faut le savoir. Donc il faut de l'activité, mais pareil, avec une certaine mesure, quoi. Voilà. Pratiques-tu aussi le jeûne? Si oui, sec ou à l'eau, et combien de temps? Moi, je fais une journée de jeûne tous les 15 jours. Une journée parce que ça me va bien. Et après, je fais 2 jours de diète. Je fais donc 2 jours de diète derrière. Que penses-tu du régime frugivore? Mais c'est toujours pas pareil. Là, encore une fois, on n'est pas tous pareils. Tout dépend de d'où vous venez, de quel est votre métabolisme, quel est votre patrimoine héréditaire. Vous avez des gens qui vont pouvoir consommer très peu de viande et beaucoup de fruits, et d'autres, il leur faudra un peu plus de viande. Bon, ça dépend. Y a pas de, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de standard. Tout dépend d'où vous venez, dans quel milieu vous êtes. Attention, donc il faut se connaître soi-même davantage. Bon, il est clair que moi, je ne peux que recommander de consommer des fruits, des légumes quand même dans des quantités quand même acceptables, voire un peu plus. Ça, c'est clair. Mais après, au niveau des équilibres, c'est à vous de trouver ce qui vous va bien parce que c'est vous qui allez digérer les aliments. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas te dire. Alors moi, je sais par exemple que je prends mon cas. On dit les kiwis, c'est très bon. Mais moi, quand je mange du kiwi, ça déclenche chez moi des aigreurs d'estomac, le kiwi. L'ananas aussi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et puis il y a des gens, ça leur fait rien. Donc je vais pas dire aux gens manger un kiwi tous les matins. Moi j'apprécie de manger un kiwi peut-être une fois par semaine, tu vois, ou une ou deux fois dans la semaine, parce qu'après ça m'agresse un peu l'estomac. Mais il y a des gens, ils pourront manger du kiwi tous les matins. Donc ça c'est pareil. Là encore une fois, c'est là où on peut pas faire de standard. Vous voyez, vous devez vous connaître pour savoir ce que vous supportez comme aliment, ce qui vous va bien, quel aliment vous fait grossir, par exemple. Il y a des gens, ils vont dire, ah ben moi, je peux manger, par exemple, des frites mayo plusieurs fois dans la semaine, je grossis pas. Et puis, il y en a, ils vont dire, ah non, moi, si je mange
une assiette de frites dans la semaine, je le vois tout de suite sur la balance. Vous voyez, donc ça, c'est pareil. Là, encore une fois, malheureusement, la nature n'est pas socialiste. Et malheureusement, il y a des injustices à ce niveau-là. Vous avez des gens qui peuvent se permettre des choses que vous ne pourrez pas vous permettre et vice-versa. Voyez. Donc là, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est une question de connaissance personnelle par rapport à votre patrimoine génétique. Si vous avez eu des parents qui ont été peut-être obèses et que vous êtes mince, peut-être que vous aurez peut-être intérêt à un peu plus vous surveiller si héréditairement vous avez des obèses dans votre famille. Voyez. Ou pareil, si vous avez des. Vous êtes d'une famille de gens qui sont secs et nerveux, ce qu'on appelle le type sec et nerveux, et que vous-même vous êtes sec et nerveux, bon bah vous avez déjà vous partez avec un patrimoine où vous êtes avantagé par rapport à des gens qui sont beaucoup plus ronds, beaucoup plus denses. Vous pouvez peut-être manger beaucoup plus de choses, mais il faut quand même faire attention. C'est pas parce qu'on est mince qu'on peut pas avoir des problèmes de santé, même sur le plan alimentaire. Donc vous voyez, tout ça c'est intéressant. Moi, ce que je peux vous dire, ce qui est pas mal, c'est de manger, par exemple, tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les haricots secs. Ça, ce sont des bonnes sources de protéines végétales et même sur le plan des nutriments. Voilà, les haricots secs, c'est malheureux, mais c'est des aliments qui sont négligés. Lentilles, haricots secs, lentilles corail, tout ça, c'est excellent, vous voyez. Et ça, je pense que bon, pour nous autres, on est, comment dire, pour l'ensemble d'une certaine humanité, ça va, ça convient bien, quoi, tu vois. Vous pouvez manger des amandes. Les amandes, c'est excellent, c'est une excellente source de nutriments, de bonnes graisses. C'est excellent, les amandes. Si vous avez des fringales, bah, vous pouvez, au lieu de manger un croissant, manger quelques amandes. C'est plus intéressant. Oui, on peut manger les orties, je suis au courant. On peut faire beaucoup de choses avec l'ortie. On peut faire des tisanes. On peut faire. Alors moi, l'ortie, je connais pas bien parce que je l'utilise en poudre, moi, l'ortie, pour mes. Quand je prends de la soupe ou quand je. En général, quand je prends une soupe, un potage, j'aime bien mettre de la poudre d'ortie dedans. Mais. L'ortie, si tu veux, crue ou naturelle, je connais pas. Il paraît qu'on fait des salades. Alors, l'ortie, c'est bien, ça contient beaucoup de silice, de silicium. Donc, c'est bon pour les articulations, le silicium. C'est excellent. Donc, c'est pareil, là, encore une fois, hein, là, on va retrouver aussi l'énergie des reins. Donc, ça vous fera du bien aussi au niveau des reins, quoi. Je vois des commentaires par rapport à l'alcool. L'alcool, ouais, si vous désirez vous orienter vers une remise en forme, l'alcool, ouais, c'est super néfaste, hein. Je veux dire, quiconque déjà a bu de l'alcool, a déjà vu ce phénomène le lendemain, là, ce phénomène de la gueule de bois qui peut rester la journée entière le lendemain, mais ça s'étale même sur plusieurs jours. Après une cuite, le corps a beaucoup de mal à s'en remettre. Hein. Faut savoir ça, c'est que vraiment c'est un énorme travail pour le corps que d'éliminer tout l'alcool et de reconstruire un petit peu les brûlures qui ont été faites à l'intérieur de l'organisme. Donc il y a des gens qui posaient la question là. Par exemple, je vais essayer de synthétiser un peu la question pour Maximus. Par exemple, quelqu'un actuellement qui mangerait un peu n'importe comment, qui ne ferait plus de sport, ce serait quoi le chemin le plus doux, là, les premiers conseils que tu pourrais lui donner pour aller vers une remise en forme? Bah, la remise en forme, ça commence déjà par révolutionner ce qu'on va mettre dans son estomac, c'est évident. Je lui conseillerais de faire l'effort de préparer ses repas quand même, c'est quand même toujours mieux. Ce qui oblige en fait à sélectionner ce qu'on va manger, c'est déjà le premier, la base, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, quel carburant je vais amener dans ma machine organique. Donc ça, c'est la base. Pas surtout éviter tout ce qui est déjà préparé, les plats tout prêts, les trucs à chauffer au micro-ondes, là, c'est surtout, faut éviter ça, c'est un cauchemar. Éviter tous les aliments qu'on vous livre, hein, tout ce qui est tacos, en tout cas, les limiter au maximum, puis se remettre à préparer par soi-même. Et puis après, la personne qui a envie de se remettre en forme, je lui suggérerais, dans un premier temps, de faire de la marche rapide, accélérer, faire du vélo. Faire du vélo, faire des trucs en douceur, justement, si elle n'est pas habituée à faire des choses trop trop énerv trop trop
où la dépense énergétique est importante. Donc, le vélo, c'est bien, c'est pas mal, parce que là, encore une fois, bah, ça fait travailler les jambes, ça fait travailler les fessiers un petit peu, puis ça permet d'être en mobilité, parce que le vélo, il avance quand vous pédalez, donc énergétiquement, c'est intéressant. Bon, c'est pas une grosse, grosse dépense calorique, mais c'est toujours bien, parce que d'abord, au niveau du visuel, lorsque vous pédalez dans des paysages sympas, ça vous contente, ça vous satisfait. Donc, il faut. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Après, au niveau des activités physiques, bah, il y a des gens qui aiment bien les balades. Il y en a qui préféreront la course à pied, d'autres qui préféreront faire de la muscu en salle, d'autres vont faire des sports collectifs comme le volleyball, le tennis, des choses comme ça. C'est toujours pareil. Il faut trouver quelque chose qu'on aime faire, qu'on apprécie. Et puis, en tout cas, c'est primordial, c'est indispensable de finalement se remettre en activité, ça c'est évident. Et surtout, bah, moi, la personne qui mange tout et n'importe quoi, moi je lui conseillerais d'aller au marché, de faire le marché, et puis de commencer à mettre du vert dans son alimentation. Privilégier les aliments verts, ça c'est pas mal, et puis bah, tout ce qui pousse, hein, les haricots, les petits pois, les pois d'Angole, tout ça c'est des. Pareil, et puis de bah, apprendre un petit peu à préparer par soi-même. Parce que c'est vrai que c'est aussi un challenge. C'est un challenge important. Mais c'est aussi combattre le mondialisme, hein, que de faire sa propre cuisine par soi-même, d'éviter de consommer chez McDo, chez Quick et compagnie. Vous voyez, c'est aussi un combat, hein, d'une certaine manière. À partir du moment où vous vous détournez de tout ce qui est KFC, tout ça, voilà, c'est. Si on est 20, si on est 30% à le faire, ça leur fait une perte de chiffre d'affaires. C'est pas négligeable, hein. On peut manger tout une fois encore, mais rien dans l'excès, tout avec modération. Il y a un mec qui avait fait l'expérience de manger tous les jours au McDonald's, je ne sais plus pendant combien de temps, je crois que c'était 40 jours, je ne sais plus comment s'appelait le film Big quelque chose. Et on voit le gars, bah, physiquement, le mec s'était transformé, quoi. Donc McDonald's, ouais, bon, après c'est les Américains, c'est les trucs et tout. Moi, je suis pas là pour fustiger les gens. Si les gens, de temps en temps, un petit McDo, voilà, ils passent, ils rentrent de vacances, je sais pas, tu t'arrêtes, c'est vite fait. Mais le problème, c'est d'en bouffer tous les jours. Les gens qui vont bouffer du McDonald's tous les jours, les gens, en fait, qui vont mettre uniquement les fast-food dans leur alimentation, genre un coup McDo, un coup KFC. Oh, puis tiens, pour changer, je vais me faire un Burger King, quoi. Là, non, là, niveau alimentation, niveau lipides, c'est pas bon du tout. Il y a quelqu'un qui pose la question, moi, je le connais pas, ce régime, mais c'est vrai que c'est une question intéressante, hein, parce que ça peut rentrer en compte. Donc, c'est Martial Nedelec qui te demande, que penses-tu du régime d'Adamo en fonction du groupe sanguin. Et c'est vrai que chez les Asiatiques, le groupe sanguin, c'est extrêmement important. Par exemple, nous, en Occident, quand on se croise, on discute et tout ça, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont te demander, mais tiens, tu es de quel signe astrologique? Eh bien, en Asie, on rencontre des gens, les gens se croisent, voilà, et puis les gens, au bout d'un moment, te demandent, bah, tiens, tu es de quel groupe sanguin? Et en Asie, c'est très important, apparemment, le groupe sanguin. Tu connais ce régime, Maximus, d'Adamo? Je connais pas le régime d'Adamo, je découvre ça là maintenant. Par contre, je sais qu'en fonction des groupes sanguins, effectivement, il y a des aliments qui nous sont parfois favorables, parfois défavorables. Ben, ça, encore une fois, on retrouve le facteur héréditaire, géographique, culturel. Et vous avez des gens, par exemple, vous voyez un occidental quand il se retrouve. Par exemple, dans des endroits où, par exemple, prenons un bon français de base qui se retrouve au Mexique, il va manger beaucoup plus épicé que d'habitude et ça risque de créer un chamboulement. Donc forcément, je crois beaucoup plus, si tu veux, à l'influence de l'ère culturelle sur le plan culinaire. Après, au niveau des groupes sanguins, oui, pareil qu'effectivement, en fonction de tel groupe sanguin, on doit privilégier tel aliment, plutôt en écarter tel autre. Je pense que ça se tient pour moi. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir une pertinence là-dedans. Je ne suis pas assez connaisseur, mais je pense que oui, de toute façon, tout a un sens. Donc forcément, il est clair que s'il y a des gens qui sont O positif, A positif, O négatif, etc., il est clair qu'il faut probablement une alimentation qui va avec le groupe sanguin. Je pense que c'est quelque chose qui me semble tout à fait cohérent. Alors attends, la question suivante. Un repas toutes les 24 heures à heure fixe, bonne ou mauvaise habitude?
Encore une fois, ça dépend des individus. Vous avez des gens, ils pourront jamais te tenir un repas toutes les 24 heures. Il y en a d'autres. Moi, j'ai un ami, il arrive à faire 14 jours de jeûne sec. Moi, je ne sais pas comment il fait. Il fait ça tous les trimestres. Et vous avez des gens qui vont, ils pourront pas tenir 24 heures sans manger quelque chose. C'est encore une fois, c'est pareil. On n'est pas tous égaux, on n'est pas tous faits pareil. Il faut trouver ce qui nous convient. Et alors évidemment, on dit que je crois que c'est 16 heures. Hein, il faut les pour que le jeûne soit intéressant, faut à minima ne pas s'alimenter pendant 16 heures pour que ça commence à devenir intéressant. Bon, ben voilà, on a cette base-là. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire un jeûne plus long, plus court, etc. S'il y en a qui tiennent pas 16 heures, ils vont peut-être casser le jeûne avec une pomme ou une clémentine, j'en sais rien. Bon, ça reste raisonnable. Mais après, c'est à chacun de trouver la fréquence qui lui convient. Mais je crois que la régularité, c'est quand même important. D'essayer de se faire un calendrier où, effectivement, pendant un moment, on va mettre son corps en pause. Et on va laisser le travail de maintenance se faire. Parce que le corps a besoin, les cellules ont besoin à un moment donné de ne pas être surchargées. Or, le problème de l'alimentation, c'est que ça surcharge le système cellulaire. Et à partir du moment où vous le sollicitez, eh ben, la digestion va être un pôle qui va demander énormément d'énergie. Mais quand vous jeûnez, justement, et ça, on le voit à travers les prophètes, tous les gens qui font de la méditation, entre autres. Eh bien, souvent, ils ont un corps qui est beaucoup plus fluide parce que le corps étant moins encombré, il peut faire ce travail de réparation et voire de régénération cellulaire qui fait que ben, vous êtes moins sujet aux maladies, moins sujet même aux douleurs musculaires et articulaires. Donc, oui, le jeûne, c'est quelque chose de toute façon vers lequel. On va devoir se pencher pour la plupart des gens qui veulent résister encore une fois au rouleau compresseur du mondialisme. Parce que vous pensez bien que le mondialisme, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de faire un petit déjeuner, un déjeuner, repas du soir. Et plus vous mangez, plus vous enrichissez les multinationales de l'agroalimentaire. Donc c'est tout bénef pour eux. À partir du moment où vous commencez à dire non, finalement, faire une journée de jeûne par semaine ou par mois ou 2 jours dans le trimestre, peu importe le rythme, là, il y a, comme ils disent eux-mêmes, un manque à gagner pour eux. Donc forcément, eux, ils vont plutôt favoriser. Vous savez que d'ailleurs que le petit déjeuner, c'est les industriels qui fabriquaient, qui vendaient des céréales pour le petit déjeuner, qui avaient besoin effectivement d'une promotion. D'ailleurs, je crois même que le lobby du lait était associé à tout ça. Parce que quand on voyait le bol, vous voyez dans les publicités, le bol de lait avec les céréales qu'on donne à l'enfant pour qu'il ait une bonne croissance, en vérité, c'est une imposture, hein. Tout ça, c'est une imposture. Donc c'est pas forcément vrai. Ah, c'est sûr qu'un enfant, il faut le nourrir, ça c'est évident. Il vaut mieux effectivement qu'il ait quelque chose dans le ventre quand il part à l'école, surtout quand il est en croissance. Mais de là à dire qu'il lui faut obligatoirement le bol de lait avec les céréales, ça peut se remettre en cause. Ouais, tout ça, c'est pareil, ça a été de l'endoctrinement qui a été fait à un moment. Bon, ça répond à la question de Akagami33 qui demandait, est-il vrai qu'il n'est pas bon de sauter le petit déjeuner? Un truc que je peux partager avec vous d'expérience aussi, c'est que quand je me suis installé dans ma petite cabane dans la forêt, bien à ce moment-là, j'ai décroché vraiment de tout, hein, j'ai vraiment Le décroché petit tout. déjeuner n'est pas indispensable, hein. Ouais. Le truc, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais dormir en fonction de ce que mon corps a besoin. Donc, je vais plus mettre de réveil et je me réveillerai tout simplement quand j'aurai fini de dormir. Et petit à petit aussi, je me suis mis à changer mon rythme d'alimentation, mais ça a pas été volontaire, hein. Ça s'est vraiment fait complètement naturellement. Et aujourd'hui, par exemple, quand je me lève, je prends pas de petit déjeuner. Je mange pas à midi en général. Hein, si je fais un petit peu d'activité physique le matin, ouais, là, je vais peut-être avoir une petite fringale vers midi. Mais en principe, je fais un gros repas le soir et c'est un repas qui va être divisé en deux parties. Alors, je sais pas si c'est bon pour le corps ou pas, j'en sais rien du tout. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Le soir, vers 21h, 22h, je mange bien.
Et puis en général, vers 23h30, minuit, je vais remanger un peu avant d'aller me coucher. Et puis ça passe très bien comme ça fonctionne très bien comme ça. Et ça c'est vraiment, comment dire, mon rythme naturel qui s'est imposé à partir du moment où j'ai plus mis de barrières ou de préconçus comme il faut se lever, il faut obligatoirement prendre un petit déjeuner, puis il faut manger à midi, puis à 4h un goûter, puis après le soir, il faut remanger, mais plus léger, tout ça. Non, j'ai vraiment laissé la nature faire les choses. Et j'en suis naturellement arrivé à ce rythme-là. Et c'est mon rythme. Ça ne veut pas dire que ce sera un rythme qui fonctionnera pour tout le monde. Je pense que chacun d'entre nous avons un rythme différent. Et comme l'indice de masse corporelle, cette espèce de générique qu'on va mettre sur le truc, comme ça, cette standardisation est mauvaise. La standardisation de la manière de consommer des repas, je pense que c'est quelque chose de mauvais aussi. Chacun a un rythme différent et en fonction du métabolisme, en fonction de la manière dont on dépense l'énergie. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, on nous a énormément mis quelque part dans une sorte de mode de l'assistanat. Par exemple, pour des gens qui bossent dans des bureaux, le matin, ils vont se lever, ils vont marcher quelques pas pour aller jusqu'à la voiture, ils vont s'asseoir dans la voiture, puis ils vont rester assis jusqu'à arriver au travail. Puis là, arrivé au travail, ils vont prendre un ascenseur, tu sais, pour pas monter les escaliers, qui va les emmener jusqu'à leur bureau. Puis là, ils vont s'asseoir au bureau. Puis là, ils vont travailler jusqu'à midi. À midi, ils vont descendre, ils vont aller à la cafétéria pour s'asseoir encore et pour manger. Puis ensuite, ils vont remonter au bureau, ils vont s'asseoir, et puis en fin de journée, ils vont descendre avec l'ascenseur, et puis ils vont prendre leur voiture pour rentrer à la maison et s'asseoir dans le canapé pour se détendre d'une difficile journée de travail. Et là, et puis derrière, ils vont manger, et puis après, ils vont aller dormir. Et là, je veux dire, au niveau de dépenses d'énergie, quand tu le fais une fois de temps en temps, bon, voilà, c'est peut-être pas néfaste, mais quand tu vis comme ça tous les jours, tu fais ça, bagnole, bureau, assis, assis, tu rentres à la maison, assis, canapé, mais au niveau dépenses d'énergie, il n'y a plus rien de naturel. À la base, on est des cultivateurs, on est des chasseurs-cueilleurs. À la base, un repas, ça réclame, ne serait-ce que pour avoir les aliments, un minimum de dépenses d'énergie. Pour se chauffer, il faut couper du bois, ça réclame une dépense d'énergie. Mais aujourd'hui, non, il n'y a plus rien ne réclame une dépense d'énergie. On peut tout faire en étant assis toute la journée. Il y a même des distributeurs de billets aux États-Unis où les mecs, ils arrivent à la banque, ils sont assis dans leur bagnole. Il y a des trucs aux États-Unis, il y a une ville, je sais plus quelle ville c'est, c'est la ville où il y a le plus d'obésité d'ailleurs, où ils peuvent tout faire de leur bagnole. Tout. Retirer du fric, commander à manger, je ne sais pas, consulter un truc ou quoi, acheter des journaux. Ils peuvent tout faire depuis leur bagnole en étant assis. Ça, c'est carrément. On n'est pas des êtres. Nous ne sommes pas des êtres faits pour rester assis tout le temps et ne pas dépenser, genre comme si l'objectif c'était de dépenser le minimum d'énergie possible. Maintenant, pour avoir une bonne alimentation, il faut dépenser de l'énergie. Puis à un moment, le corps réclame et là, on donne au corps ce dont il a besoin et puis après, on redépense de l'énergie comment dire, à retourner justement vers l'essentiel, à la terre, à des trucs qui vont nous réclamer cette dépense d'énergie. Je pense qu'on se sent déjà beaucoup mieux dans son corps et on est vers quelque chose de beaucoup plus naturel, hein. L'évolution ne s'est pas faite assise dans un fauteuil avec une télécommande. Il y a une personne qui me parlait effectivement de l'argile. Alors oui, effectivement, bien sûr, l'argile, c'est excellent. Bon, une fois ou deux, ça m'est arrivé de boire de l'eau d'argile, mais effectivement, c'est ancestral, l'argile. Donc effectivement, je crois qu'on peut la diluer dans de l'eau et puis on peut la laisser se reposer, la consommer. Alors effectivement, donc il faut éviter d'utiliser une cuillère en métal, je crois. Il faut utiliser une cuillère en bois. Bon, bref. Mais oui, bien sûr, l'argile, c'est un élément anti-inflammatoire qui reminéralise, qui répare les muqueuses. C'est très, très bon. Il y a énormément de bienfaits au niveau de l'argile. Donc, évidemment que je recommande, évidemment l'usage de l'argile. Évidemment, ça, c'est évident. Et ça, pareil, ça facilite d'ailleurs. Comment dire, la digestion d'ailleurs, et ça répare justement. On parlait des muqueuses qui sont irritées. Effectivement, là encore une fois, l'argile va rétablir votre pH naturel. Donc, bien sûr, c'est excellent, évidemment, ça on n'en parle pas. Mais vous avez aussi l'huile de Nigel, hein, et vous pouvez vous procurer de l'huile de Nigel parce que là aussi, là encore une fois, vous avez un docteur à la maison. Ça, c'est comme l'aloe vera. Hein. L'aloe vera, c'est un docteur à la maison. Ça, c'est pareil. Hein. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir. Chez soi, parce que ça va vous rendre beaucoup, beaucoup de très, très bons services, quoi. Et tout ça va d'ailleurs vous aider à retrouver un corps un peu plus,
plus en phase avec la réalité sauvage de votre état naturel, si je puis dire. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Contrôle suprême de carottes, une bonne santé, ça passe par consommer les bons aliments, s'intéresser à ce qui existe. Il faut être curieux aussi, hein, il faut quand même faire un travail de connaissance. Il n'y a pas que de se renseigner sur le mondialisme qui fait qu'on peut être un bon combattant, un bon militant de la cause, mais justement, on peut aussi prendre soin de sa santé. Alors tout à l'heure, je voulais dire un truc sur l'alcool. Pourquoi l'alcool, c'est déconseillé? Parce que l'alcool va vous déshydrater. Et lorsque vous allez vous déshydrater, vous allez manquer d'eau. Et le problème de l'alcool, c'est qu'il a un pouvoir de déshydratation assez profonde. Donc souvent, une fois que vous allez vous remettre à faire quelques efforts, vous pouvez risquer plus facilement tout ce qui est tendinite, tout ce qui est lié au manque, tout ce qui est lié au manque d'eau dans le corps. Donc, bah, ça peut être aussi les foulures, ça peut être aussi les entorses, toutes ces choses. Donc, faut se méfier de l'alcool. Il faut le consommer à un moment où c'est pertinent de le consommer. Pareil, dans des quantités, somme toute, assez raisonnables, sans oublier que derrière, ça a quand même un pouvoir. Et puis aussi, au niveau du foie, hein, c'est le foie qui fait travailler. C'est le foie si je puis dire, prendre en charge les méfaits de l'alcool. Donc, faut quand même faire attention à ça, quoi. Faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas boire un coup entre potes, mais il faut le savoir. Quelqu'un qui dit pourquoi les ricains vont tous jusqu'à 100 ans en mangeant McDo. Je sais pas d'où tu tiens ça, comme quoi les Américains atteignent tous 100 ans, mais je comprends pas la question en fait. Ça se base sur une affirmation comme quoi les Américains atteignent tous 100 ans. Je crois pas, hein. Je crois pas que les Américains atteignent tous les 100 ans. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui disait le soir tu dors, donc tu fais du gras. Il vaut mieux manger à midi, la journée tu brûleras de calories en trop. Mais ça, c'est pareil, c'est en fonction du métabolisme. Moi, ça fait des années que je mange que le soir et je stocke pas. J'ai pas un pet de gras, moi. Donc, c'est vraiment en fonction des métabolismes. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ouais, Mais si c'est je stocke, globalement c'est parce vrai ce que je qu'il dit, mange le hein. soir. Mais c'est quand Bah même ouais. globalement vrai. Moi, sur moi, ça n'a pas d'influence. En tout cas, je mange que le Parce que. soir, pratiquement, et puis je stocke que dalle, quoi. Oui, parce que toi, tu es sec et nerveux, mais quelqu'un qui a une tendance à justement à plutôt stocker, et effectivement, il faut plutôt lui conseiller de manger un peu mieux le midi, de préférence, et puis d'alléger le soir, parce que le sommeil va justement générer une dépense énergétique. Et si derrière on a alimenté faiblement, eh ben, le sommeil va utiliser les calories du corps pour maintenir les fonctions vitales. Et si on a surchargé l'organisme, ça va être le contraire. Ça va être effectivement, ça va créer du stockage. Donc c'est globalement vrai, sauf pour les types secs et nerveux qui ont un métabolisme plus rapide et qui brûlent beaucoup plus de calories. Après, ça se trouve, je dois consommer juste ce que le rapport énergétique dont j'ai besoin. Mais c'est vrai, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens, ils peuvent bouffer tout, n'importe quoi, ils vont pas prendre un pet de gras. Et puis, tu as des gens, ils vont faire super attention à leur alimentation tout le temps. Ils vont être là à se priver, à faire gaffe, à tiens, faut pas que je mange ça, sinon je vais grossir. Et puis, bah, malgré tout, ils vont grossir quand même. Donc, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Donc, ce qui peut être valable pour l'un, des fois, n'est pas valable pour l'autre aussi. Hein. C'est ça. Une autre question. Voilà, encore quelques dernières questions, si j'arrive à en trouver. Bon, voilà, je vois plus de questions. Ouais, il y en a pas mal parce que le clavardé continue à avancer. Et parfois, quand je remonte, j'arrive plus à atteindre vos questions. Donc, j'ai dû passer à côté de pas mal de questions. Désolé pour ceux qui ont posé des questions et auxquelles on n'a pas pu répondre. Oui, mais de toutes les façons, une chose est sûre, c'est que de toutes les façons, les classiques, c'est de se remettre en activité, ça c'est une évidence. Se détourner de tout ce qui est déjà préparé, tout ce qui est déjà, on va dire, prêt à manger. Tout le prêt à manger, il faut confectionner par vous-même. Même si vous avez envie de tacos ou de comment dire, de burgers, etc. Franchement, faites-le à la maison vous-même et déjà vous verrez que en termes de gustatif et de qualité, vous allez quand même y gagner un petit peu plus. Donc, tu as déjà, et puis en plus, bah, privilégier évidemment tout ce qui a une digestibilité facile. Donc, ça inclut les fruits, les légumes en particulier. Évidemment,
On essaie de trouver des endroits où on peut avoir des choses de qualité, pas trop chargées en nitrate, en phosphate, en pesticides. Toujours la même chose. Au niveau de la viande, malheureusement, la viande, on aime bien avoir un petit morceau de viande, c'est vrai. Mais vu la qualité de la viande qu'on se farcit aujourd'hui, on est obligé d'en manger nettement moins et de peut-être de mieux la tracer, c'est-à-dire de mieux la choisir. Donc manger moins de viande, beaucoup, beaucoup moins de viande, parce que malheureusement c'est bourré d'hormones, d'antibiotiques, etc. Et puis maintenant, il paraît qu'on met même du graphène dans la viande. Donc ça, c'est super. Et puis, plutôt rechercher la qualité dans ce qu'on va consommer, plutôt que le côté un peu au grand public, si je puis dire. Voilà Alors, quoi. il y a des gens qui parlaient de ça tout à l'heure dans le clavardier, justement. Avez-vous vu la vidéo sur le graphène dans l'eau? Oui, moi, je l'ai vu cette vidéo. On a mené aussi des expériences par rapport à ça, donc avec, comment ça s'appelle, pas la pyrolyse, l'électrolyse. On a fait de l'électrolyse sur différentes eaux. Est-ce que c'est du graphène? Est-ce que c'est pas du graphène? Ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que oui, il y a des métaux dans l'eau et que une fois que cette espèce d'agglomérat noir s'est formé, si on approche un aimant sur le bord du verre, ben on voit bien les choses s'agglomérer vers l'aimant. Donc ça, oui, c'est des trucs que j'ai des expériences qu'on a menées là récemment. Et ça, je peux vous le confirmer. Oui, il y a bien des métaux dans l'eau. Ça, je peux le dire avec certitude. Est-ce que c'est du graphène? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des trucs dans l'eau. Et quand on fait l'expérience avec l'électrolyse, on le voit. Et il y a des gens qui disent que ça vient des électrodes. Bah, pourquoi ça fait des réactions différentes dans les différentes eaux alors? C'est-à-dire, j'ai réussi à trouver des eaux relativement pures. On va avoir une espèce comment dire, de couche jaunâtre qui va se mettre, couche jaunâtre verdâtre qui va se mettre à la surface. Là, on est vraiment sur de l'élément organique, mais quand on a vraiment une espèce de pâte noire qui se forme et qui vient se coller à un aimant, là, on est sur des métaux. On est clairement sur des métaux et ça n'a rien à voir avec les électrolyses, hein, réellement. Les électrolyses vont juste servir à séparer les impuretés de l'eau, mais ne vont pas en ajouter dedans. Ça, je l'ai vu de toute façon. Donc, on aura du mal à me dire le contraire. Il y avait une question de Sayawesca qui demande, bah, c'est en lien ça. Maximus, que penses-tu des kilos émotionnels? Parce que on en parlait déjà, les abdominaux, le diaphragme, tout ça, c'est au centre du corps et c'est au centre des émotions. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Maximus, des kilos Oui, bien émotionnels? sûr, bien sûr. Alors après, ça n'empêche pas de travailler comme les abdominaux. Après, tout ce qui est sur le plan de l'émotion en général, c'est plutôt un dérèglement glandulaire. Donc après, là, on est dans autre chose. Mais déjà, si on peut agir sur l'alimentation, sur son métabolisme, c'est pas mal. Il y a une personne qui me disait pour tout ce qui concerne l'hypertension. Ben, l'hypertension, vous avez des aliments qui aident votre cœur et vos artères, c'est ail, oignon, échalote, c'est évident. Et puis vous avez la betterave. La betterave aussi, allez-y à fond, hein, pour les gens qui ont des hypertensions, le cœur, etc. Allez-y, consommez de la betterave, parce que la betterave, vous voyez, c'est rouge, ça ressemble à un cœur. Donc ça agit favorablement sur la tension. Vous pouvez aussi consommer quelques noix, quelques amandes, ça aussi ça aide. Et il y a une personne qui me demandait qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ben, rien, puisque je jeûne, voilà. Donc j'ai fait mon dernier repas dimanche soir et j'ai rien mangé là jusqu'à maintenant à part boire de l'eau. Donc Sur les fruits et légumes, et la nature est bien faite, c'est que systématiquement, elle va nous donner les vitamines dont nous avons besoin au moment de la saison où nous en avons besoin. Par exemple, en été, on va dépenser beaucoup plus d'énergie, on va transpirer, et bien on va avoir des tomates, avoir des fruits rouges beaucoup l'été, des trucs chargés en sucre assez énergétiques. Et sur d'autres saisons, bien on va avoir des aliments, des fruits et légumes, pareil, qui vont avoir une autre comment dire d'autres apports nutritifs, mais qui sont en parfaite adéquation avec la saison. Donc il faut manger des fruits et légumes de saison. Je pense que oui, la nature est bien faite, elle nous donne ce dont on a Et la besoin bonne au huile moment d'olive où on en a aussi. besoin. Et la bonne huile d'olive, hein, pour la tension, justement, ce qu'on appelle tout ce qui vient du régime crétois, hein, c'est à base de poivrons, tomates, etc. Allez-y à fond, hein, là-dessus. Hein, en plus, c'est bourré de vitamine C, donc allez-y. Et puis l'huile d'olive, hein, pareil, hein, cuisiner avec de l'huile d'olive de préférence, quoi.
Et là, c'est pareil, il y a de bonnes et de mauvaises huiles d'olive, il y a des huiles d'olive frelatées, il y a des. Je me rappelle de cette séquence où on avait retrouvé dans les huiles alimentaires, on avait retrouvé de l'huile moteur. Et en fait, ben, ils ont tout simplement changé un paramètre. Normalement, il fallait rappeler toutes les huiles. Hein. Toutes les huiles étaient impropres à la C'est consommation. vrai. Et ils ont juste changé un paramètre de dire, bon, ben voilà, au niveau de la santé, on autorise par exemple qu'il y ait au lieu de 0,1% d'huile moteur dans les huiles alimentaires, et bien maintenant, on peut en retrouver jusqu'à, par exemple, 10%. Et voilà. Et puis, on dit que là, ben, à partir de là, c'est plus mauvais pour la santé. C'est juste des curseurs, hein, qui bougent en permanence. Et ils ont fait ça avec l'huile. Ben Maxime, je sais pas, on va peut-être conclure pour aujourd'hui, parce qu'on est pratiquement déjà là. Ben, on est à 2 heures de direct, ça y est. Donc, c'était une conclusion à apporter à tout ça, et puis un dernier conseil à donner aux gens pour aujourd'hui. Bah, en fin de compte, j'ai envie de dire, ton corps, c'est de la chimie, donc trouve la formule. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent quand je prends des gens en charge pour les entraîner. Il y a des choses qui vont nous aller bien et d'autres qui nous iront moins bien parce que ça réussit aux voisins, ça nous réussit pas à nous. Il y a quand même des grandes lignes. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'alimentation. Bah oui, au niveau de l'alimentation, tout ce qui est préservé, pas trop transformé, et de qualité, il faut aller vers ce genre d'aliments, évidemment. On a parlé effectivement des huiles qui sont de plus en plus, elles sont frelatées, mais à la base, elles étaient saines, hein. L'huile d'olive ou l'huile de colza, l'huile de tournesol, à la base, ce sont des huiles qui sont d'assez bonne qualité, en temps normal, sauf quand on commence à vouloir faire plus d'argent. Bah, là, c'est sûr. Sinon, le conseil que j'ai, c'est bah, acheter ce livre, franchement, prenez-le, parce que c'est un livre qui est assez complet, qui va vous expliquer certaines choses sur qu'est-ce que votre métabolisme, entre autres. Et puis vous avez en plus dans ce livre une combinaison que je trouve intéressante, c'est que ça parle d'aliments, et puis vous avez même quelques exercices posturaux. Et franchement, je le trouve vraiment sympa ce bouquin. C'est pas cher, c'est un bouquin pas cher, c'est un bouquin sympa. C'est un bouquin qui peut motiver, vous aider à vous remettre en forme. Donc c'est le moment, l'hiver vient, hein, winter is coming. Donc forcément, faut pas hésiter à se redynamiser, faire le plein de bonnes énergies, de bonnes calories, de bonne luminosité, belle lumière, voilà, etc. Et puis consommer des bons fruits, des bons fruits de saison, on voit ce qui se passe, quoi, mais surtout faut se remettre en forme. Ça, je pense que c'est primordial. Puis pas se laisser aller à la déprime. En général, quand on est en forme physiquement, on déprime déjà moins. Donc c'est déjà aussi une manière de se blinder, tu vois, de se renforcer. Et puis, finalement, d'appréhender l'avenir avec comment dire, une visibilité pas forcément trop noire, parce que je crois qu'on en a besoin aussi. Donc voilà, non, pas de nouvelles de Martial Lanoir. Après, faites des sports d'équipe, faites des sports individuels, faites de l'activité, quoi qu'il en soit. De toutes les façons, c'est toujours bon. Que vous le fassiez de l'activité en douceur. Vous savez, vous avez le Qigong, c'est pour les gens qui sont pas habitués à faire des sports un petit peu explosifs. Bah, faites du Qigong, hein. Faites du tai chi, faites des choses comme ça. Et c'est des fois, souvent, on trouve des groupes qui le font en plein air en plus. Moi, j'ai vu ça à Paris, j'ai vu ça dans d'autres départements. Vous avez des gens comme ça, des fois, qui se mettent dans les parcs et puis qui font des séances. Bah, essayez de vous joindre à eux, parce que ça vous fait toujours, comment dire, de nouvelles connaissances. Et puis ça permet aussi de faire une activité. Et c'est bien de sortir de chez soi. Et de se mettre à la lumière, voilà, et pas rester dans l'ombre tout seul, quoi. Donc, vous trouvez des gens qui sont comme vous et qui ont besoin aussi de faire de la marche, des balades, sortir le chien, j'en sais rien. Faites quelque chose, bougez, mettez-vous en mouvement. Et puis, le travail des abdominaux, vous pouvez aussi de temps en temps faire quelques exercices ciblés. Vous avez sur YouTube des tutos plus ou moins en fonction des individus. Alors, vous avez des abdos pour débutants, abdos avancés, abdos pour confirmer. Choisissez un petit programme et puis essayez de vous y tenir, quoi. Moi, je vous encourage à le faire. Franchement, honnêtement. Et vous verrez que une fois que vous aurez remis un peu de l'ordre dans tout ça, vous serez mieux, quoi. Mais pour ce qui est de l'alimentation, moi, j'en démords pas. L'idéal, c'est d'avoir les aliments le plus brut possible.
et puis de les combiner, de les cuisiner et de faire ce que vous avez à faire avec, quoi. C'est toujours mieux que de. Moi, je vois de plus en plus de gens, tu sais, qui se font livrer par Uber, qui se font livrer par Deliveroo, qui achètent des plats tout faits, etc. C'est catastrophique. C'est catastrophique sur le plan alimentaire. Un truc génial. Alors déjà le commentaire de Stéphane Monard, il faut rire aussi, bien sûr. Le rire c'est extrêmement bon pour la santé. Et moi j'ai déjà passé des soirées entières à rire avec des gens. Le lendemain j'avais mal aux abdos justement, comme quoi ça a bien travaillé. C'est aussi bon pour les abdos, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Il faut rire évidemment. Je sais pas, ça doit être malheureux quelqu'un par exemple qui passe une semaine sans rire une seule fois. Je pense que ouais, au niveau du moral, ça attaque grave. Au niveau alimentaire, un truc génial qu'on m'a fait découvrir ben, par la diversité de ce qu'il peut y avoir dedans, c'est les samosas. Samosa, c'est des feuilles de briques qui sont pliées en triangle. Et puis à l'intérieur, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre un peu de viande, des fruits et légumes frais, par exemple. Hein, fruits et légumes frais, encore croquants, avec toutes les vitamines. Et puis moi, je trouve ça génial. Voilà, on me fait des samosas des fois, là. Et puis quand on me les donne et que je les mange, eh bien, dedans, c'est toujours une surprise. Il y a toujours, voilà, c'est toujours comment dire, un feu d'artifice de goût et de saveur. Et puis aussi comment dire, de textures qui sont différentes. Parce que peut faire des samosas par exemple avec de la viande et du fromage, ou on peut faire des samosas que avec de légumes et aussi ajouter du fromage. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça très très bon. Comme je vous l'ai dit sur, alors non, on n'a pas de nouvelles de Martial Lanoir. Martial Lanoir a été incarcéré. Il est actuellement en prison et on n'a pas de nouvelles pour l'instant sur son affaire. Quoi d'autre? Vous le savez sur cette chaîne. Je vous l'ai dit, ça va être un petit peu chaotique là dans les semaines à venir parce que je me déplace beaucoup. J'ai aussi pas mal de rendez-vous médicaux par rapport à une opération qui va m'arriver bientôt. Et puis derrière, ben, cette petite opération va pouvoir me permettre moi de reprendre le sport, la boxe. Surtout, j'aime bien la boxe anglaise, mais aussi boxe pied-poing. Et ça, ben, ça fait des années que j'en ai pas fait. Et là, je suis impatient parce que j'ai envie de cette remise en forme. De toute façon, à chaque printemps, chaque début d'été, il y a cette espèce de regain d'énergie qui fait que j'ai besoin de la remise en forme. Et donc, bah ouais, sur la chaîne, il y a des directs des fois qui risqueront peut-être de ne pas avoir lieu. Je pense même qu'à un moment, je vais prendre une semaine de pause réellement. Après l'opération, je vais mettre la chaîne une semaine en pause. Donc, il n'y aura certainement pas de journalou, ni de conseils de lecture, ni de chronique du Nouveau Monde, ni rien du tout pendant une semaine. Je vais certainement me prendre une semaine de repos complète en convalescence après cette petite opération où on va m'enlever un morceau. Et je vous assure que psychologiquement, c'est pas facile je me croyais fort et prêt au truc, mais plus la date approche, plus psychologiquement, bah, je me dis, ouais, va falloir s'y faire. Ça risque d'être bizarre, mais ça reste quand même relativement une bonne nouvelle. Voilà, les samosas, ouais. Je vois, ça parle des samosas, ça y est, dans le clavardier. Cette spécialité de la Réunion, je ne savais pas. Je savais pas. Je sais pas d'où ça vient les samosas, mais je sais qu'on peut tout mettre. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans, et aussi des légumes crus. Et ça, c'est très bien parce que quand on fait cuire les légumes, en général, ben, ils perdent énormément de leur valeur énergétique. Donc les manger crus, c'est une très bonne chose aussi. Après, il y a une personne qui me demandait le nom de l'auteur parce qu'apparemment ça ne doit pas être trop lisible. C'est David Zinc, comme le zinc, et Zinco. Comme le docteur Zelenko, pareil, même orthographe, zinc, 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 zanko, zanko, Zenko, et Ted Spiker. Voilà. Donc, Et sinon, vous tapez juste le régime abdo sur Google, vous allez dans les images, vous allez trouver l'image de la couverture du livre en cliquant sur images. Et puis ensuite, vous trouvez l'auteur, le bouquin, où est-ce qu'on peut l'acheter. On le trouve vraiment à très bas prix. Et voilà pour ce qui est du bouquin. Les gens me disent ouais, oui, non, c'est l'opération que je dois avoir. C'est quoi l'opération de ton doigt, Lou? C'est une amputation. Donc voilà, c'est pas marrant. Mais c'est comme ça. Ça va être mieux pour moi de toute façon parce que là j'ai un espèce de doigt raide au milieu de la patte qui m'empêche de pouvoir utiliser ma main correctement et je suis en train de perdre toute la force dans cette main-là. Je peux plus rien. Je l'utilise pratiquement plus à force. Donc du coup, le fait de
virer ce doigt mort qui sera au milieu, bah, ça va me permettre de pouvoir la réutiliser et puis je vais revivre. Sincèrement, je vais pouvoir repratiquer du sport, refaire des trucs que je faisais plus du tout avant, sur lesquels j'avais un petit peu fait mon deuil. Bah, là, non, je suis content parce que c'est des choses que je vais pouvoir refaire à nouveau. Et c'est juste qu'il va falloir que je fasse le deuil de ce doigt. Mais quelque part, c'est déjà fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, de toute façon, là, il est inutilisable. Donc c'est une bonne nouvelle, malgré tout. Voilà. Bah, je te remercie, Maximus, pour ce conseil de lecture un petit peu spécial. Mais tout est en lien. Hein. Tout est en lien. L'alimentation, voilà, on va pas le redire. Par l'alimentation, on cherche à nous détruire aussi. On détruit notre culture, on détruit le cadre familial, on détruit nos racines. Tout est détruit. Ben, évidemment, on cherche aussi à détruire notre santé et à détruire notre santé physique et donc psychologique aussi au passage, pour faire de nous ben, des espèces d'êtres flasques, comme ça, sans racines, sans but dans la vie, sans d'autre but que de consommer, consommer, consommer. Non, à la base, on n'est pas fait comme ça. C'est un petit peu revenir à nos racines, justement, que de faire attention à la manière dont on consomme et à la manière dont on dépense notre énergie, la manière dont on consomme. Je parle de notre alimentation, là, bien sûr. Et on pourrait même le mettre sur la consommation énergétique. Mais voilà, revenir aux sources et revenir à ce pourquoi nous sommes faits, c'est aussi lutter contre le mondialisme. Je t'en prie, Maximus, pour le Alors dernier. moi, j'ai voulu faire ça parce que ça change un petit peu de la lourdeur du mondialisme. Parce que même moi, je commence à en avoir un peu, honnêtement, plein le dos, toutes ces nouvelles un peu anxiogènes, de regarder les. À chaque fois, là, on a eu le Covid, maintenant, on est dans la variole du singe. Enfin, on a l'impression qu'ils nous lâcheront jamais. Et je voulais, en fait, sortir un petit peu de ce ronron et dire, ah bon, tiens, on va donner un petit peu des clés aux gens aussi pour qu'ils se renforcent. Parce que c'est nous-mêmes, hein, nous sommes nous-mêmes, entre guillemets, un centre d'énergie et il faut se renforcer à ce niveau-là pour les battre aussi. C'est pas en étant faible et en étant avachi, en surpoids, qu'on gagnera aussi. Donc ça aussi, je pense que c'est un livre qui d'abord, qui est vraiment honnêtement très sympa à lire. Vous apprendrez beaucoup de choses, vous verrez. Et je me suis dit, à l'approche des vacances, ben voilà, ça peut être aussi une occasion pour ceux qui sont dans ce combat-là, justement, et qui veulent lutter à leur manière. Hein. Souvent, on parle de permaculture, de survivalisme, mais je crois que c'est bien aussi de dire comment nous-mêmes, on peut se transformer en outil de survie. Donc, c'est bien aussi travailler sur nous-mêmes. Et ben, ce livre, il vous propose de travailler sur vous-même, de vous renforcer, de devenir plus fort, mieux centré, mieux alimenté aussi, donc moins sujet aux peurs, aux angoisses, et vous résisterez mieux aux attaques psychiques, politiquement correctes, et surtout alimentaires et autres que ces gens-là ont planifié pour nous. Donc un corps résistant tient beaucoup mieux, résiste mieux à tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et puis de toutes les façons, il peut se lire de manière. On n'est pas obligé de le lire de la première page à la dernière. On peut prendre par chapitre. C'est un livre qui peut servir aussi de guide. Enfin bon. Donc, il faut pas hésiter. Moi je pense, faites-en l'acquisition. Je pense que vous ne le regretterez pas. Et puis si vous n'aimez pas ce livre, offrez-le à quelqu'un. Je suis sûr que vous trouverez quelqu'un qui, dans votre entourage, dira bah, merci, c'est vraiment un très très beau cadeau que tu m'as fait. Donc voilà, donc allez-y, je crois qu'on le trouve à 3 euros et des boulettes, 3,72 €, je crois, il me semble. On le trouve pas cher. Donc n'hésitez pas. Voilà, bah maintenant on va aller faire une balade avec les chiens ou un tour à vélo, ça nous fera du bien. Et je vous dis, je sais pas si on se retrouvera jeudi. Je vais contacter Denis, on va voir si on prépare une émission pour jeudi. Il y aura, je pense, quand même le journal ou samedi soir. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai informé en temps et en heure sur cette chaîne, sur comment ça va évoluer. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un moment où je vais me prendre une petite semaine de pause, juste histoire d'encaisser le truc et de respirer un peu aussi de tout ça. Petite semaine de déconnexion que moi j'appelle en fait semaine de reconnexion, parce que je déconnecte des réseaux sociaux, mais je reconnecte avec la nature, les animaux, ça fait du bien. Et si je le fais pas de temps en temps, moi aussi au niveau de ma santé mentale, ça va pas, hein. C'est obligatoire ça. Je voulais rajouter, il y a une personne qui disait l'apéro. Moi, je dis oui aux apéros, bien sûr.
Mais pareil, hein, c'est toujours pareil, l'apéro, essayer de choisir les bons ingrédients qui vont bien, et puis modération sur l'alcool, ben, voilà, ou pas d'alcool, on peut faire des apéros sans alcool, hein, y a pas de souci, hein. On peut faire des apéros avec des cocktails de fruits, et on peut faire des apéros avec des olives de bonne qualité, même des noix de cajou de bonne qualité, donc pas de souci pour l'apéro, mais voilà, ça se fait de manière intelligente. Voilà, c'est tout. Ok, ben, merci Maximus. On essaye de se retrouver la semaine prochaine. Je te tiendrai au courant de toute façon. Et puis, bonne fin de journée à toi. Voilà, donc quoi qu'il en soit, remettez-vous en mouvement, c'est toujours très bon, que vous ayez des kilos en trop ou pas, on s'en fiche. Travaillez vos abdos, vous vous renforcerez, et c'est ça le plus important, et physiquement et mentalement, et après le reste viendra. Voilà, merci à toi Lou, je te souhaite une bonne journée, bon courage pour ton opération, et les camarades qui sont dans le chat, je les salue aussi. Pareil, profitez-en, remettez-vous en forme. Si le vélo est rouillé, bah, dérouillez-le, regressez les chaînes et puis hop, partez en vélo, etc. Faites ce que vous avez à faire et vous verrez, comme disait un membre du gouvernement de Macron, ça va bien se passer. Voilà. Merci à vous. Et que Dieu vous garde, bien sûr. Merci, salut Maximus. Comme je vous ai dit, nous, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Avec certitude, je pense samedi. On verra pour jeudi. Je vous tiens au courant de tout ça. De toute façon, entre-temps, je peux peut-être même que je fasse des directs de manière imprévue. Ceux-là, ils auront lieu que sur des lives. Alors, j'invite toujours les gens à nous rejoindre sur des lives. Vous cliquez dans le lien dans le descriptif de la vidéo de la chaîne des lives. Vous arrivez, vous cliquez sur follow. C'est un abonnement gratuit pour recevoir les notifications. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoint, j'aimerais bien avant de vraiment de atteindre les 10 000 sur des lives, avant de commencer vraiment à m'éloigner sérieusement de YouTube. Et il y a un moment où ça arrivera, parce que je sais pas, j'ai constaté, je sais pas, un quotient intellectuel peut-être un peu plus bas vraiment sur YouTube. Et des fois c'est pesant, des fois c'est fatigant. Voilà, quand je m'attaque à certains sujets comme le burkini, comme la présence extraterrestre, comme ça a été le cas avec la Terre plate, de se retrouver avec des montagnes parfois d'insultes et de menaces, de trucs comme ça. Je veux dire, voilà, c'est bon, on peut parler de tout, non? C'est un petit peu ça à la base, le fait d'être français. C'est chacun a le droit de penser un petit peu comme il veut. Il faut qu'on puisse en discuter dans le respect. Et malheureusement, quand je m'attaque parfois à certains de ces sujets, il n'y a plus de respect derrière. Les gens considèrent que parce que j'ai parlé du burkini, alors c'est le feu vert pour pouvoir m'insulter, parce que je ne suis pas d'accord avec eux sur la théorie de la présence extraterrestre. Je parle bien de la présence extraterrestre et non pas de la probable existence de vie extraterrestre, ni même de la présence ovni que je valide. Il y a bien des objets volants non identifiés dans le ciel. Bah, quand tu t'attaques à des trucs comme ça, des fois, pour les gens derrière, c'est l'opportunité, le feu vert pour pouvoir balourder insultes et agressivité. Et je vous avoue que ça me fatigue. Ça me fatigue. Moi, des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette agressivité. Je ne comprends pas ces insultes. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver là juste pour des divergences de sujets. Et je vous assure que voilà, pour parler du sionisme régulièrement, tout ça. La fois où ça a été vraiment le plus agressif, c'est quand je me suis mis à parler de la Terre plate. Quand j'avais fait un direct qui était intitulé Elle est ronde, mais je vous assure, le déferlement de haine que je me suis mangé derrière, je me suis dit, c'est bon, en fait, je fais face à une secte là. C'est pas, j'ai pas, je suis pas face à des gens qui ont un raisonnement logique et cohérent. J'étais face à des gens qui voulaient m'exterminer parce que je ne pensais pas comme eux. Voilà, et ça a été, de tous les sujets que j'ai abordés, ça a vraiment été eux les plus virulents. Les platistes, ça a été vraiment, il y avait pas de demi-mesure, quoi. Il fallait me détruire, je m'en rappelle, hein, il fallait brûler ma cabane pendant que je dormais dedans à l'intérieur avec mes chiens. Ça avait été très très loin. Voilà, j'aurais même dit de se calmer parce qu'il y a des limites à tout et les menaces de mort, au bout d'un moment, ça suffit aussi. Donc, oui, bah, je partage avec vous ce que je pense avoir compris, ce que je crois avoir compris. Et puis, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. On a le droit de tous pas être d'accord, mais que ça se passe un minimum dans le respect. Voilà, je sais pas. Moi aussi, je suis vivant derrière. Moi aussi, j'ai des émotions. Et quand je reçois des montagnes d'insultes et des montagnes de menaces,
Bah, évidemment que c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et puis bon, maintenant moins qu'avant, mais ça affecte un petit peu quand même. Voilà. Donc, juste voilà, un petit peu de demi-mesure. On peut dire les choses sans être systématiquement dans l'insulte et l'agressivité. Enfin bon, je vais terminer sur ça aujourd'hui parce que, ouais, pour avoir parlé du burkini récemment et pour avoir parlé de la présence extraterrestre récemment, je m'en suis un petit peu aussi. J'ai reçu quelques messages bien pimentés, bien gratinés, auxquels je ne réponds pas. Hein. Quand c'est comme ça, moi, à partir du moment où il n'y a pas de respect dans le message, déjà, je réponds pas à ça. Donc voilà. Allez, bonne fin de journée à tous. Prenez soin de vous. Mangez bien. Buvez bien. Vivez bien. Aimez bien. Et puis profitez de la nature, des animaux, de tout ce qu'il y a de beau encore, de tout ce qui reste de beau et d'agréable dans la vie. Moi, de mon côté, bah, je vais aller faire la même chose. Allez, ciao à tous. Bonne fin de journée. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence.